Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Noscope, le deuxième de l'année finalement, puisqu'on avait, attaqué assez rapidement début janvier pour vous laisser ensuite respirer et faire notre bilan la semaine dernière. Là, point de répit, on rattaque directement sur les news et sur plein de choses intéressantes cette semaine. Et je serai accompagné ce soir par Loulou. Bonsoir Loulou. Bonsoir à tous, comment vous allez ? Ça va très bien, moi en tout cas ça va très bien. Matt Mouat, comment ça va? Salut tout le monde, bah écoute, ça va très bien. Je vois par contre mon fond d'écran est un peu à l'envers, donc j'avais raison dès le départ, hein, je pense, les gars. Ah bah écoute, il ça est arrive. À l'envers, en fait il est à l'endroit sur Discord. Ouais. Nous on le voit à l'endroit sur Discord et effectivement il est à l'envers sur le stream. On s'en branle, allez c'est bon. Voilà. Ouais. Salut Speedfusion, salut Koyan, bah salut les naufragés, bonsoir à la rédac. Et bonsoir Shtuka, comment ça va? Bonsoir, je viens de voir un gamin de 17 ans gagner un des tournois les plus prestigieux de Counter-Strike, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable, il a à peine la moitié de nos âges et il défonce tout le monde sur Counter-Strike 2. Voilà. Alors ce soir, donc, on vous a déjà prévenu qu'on allait parler des attentes 2024, mais on va aussi... parler du Steam Neo Fest, mais on va commencer par les petites news du mois passé, parce qu'au final, on n'a pas parlé de grand-chose. On a fait une petite sélection, on ne va pas parler de tout, évidemment. Et donc, on va attaquer directement. Hein. Et bien, c'est parti. On va commencer par le mode FPS pour Resident Evil 4 Remake. Matt, tu peux peut-être nous en parler, parce que je crois que tu as fait Bon, on a vu qu'il y avait un cher modeur qui a mis à disposition un mode FPS pour ce remake de Resident Evil, mode dispo sur Nexus Mod, bien connu, hein, on peut avoir beaucoup de modes sur beaucoup de jeux. Là effectivement ouais, on peut enfin déambuler dans ce village espagnol. Et le remake est très bien foutu, donc c'est vrai que ça peut frustrer beaucoup de joueurs PC parce que, mis à part ceux qui ont le remake et un casque PSVR 2, on ne pouvait pas jouer effectivement à ce jeu en mode FPS. Donc là, faut voir si c'est pas trop chiant de faire toute l'installation, parce qu'il n'y a pas que ça à installer pour que ça fonctionne, mais ça peut être sympa de l'essayer hein, pour ceux qui aiment vraiment cette franchise. Surtout que, on en a déjà parlé un petit peu. Toi, tu avais fait le test de Resident Evil 2, le 4 aussi, le 4. Mais VR, spécial pour les Quest 2, ouais, pour voilà, les Oculus Quest 2, donc en VR. Par contre, c'était la version d'époque, remasterisée, ouais. Mais globalement, c'est quand même compatible, enfin, c'est uniquement pour le casque, c'est pas du PC VR. Ouais, donc ouais. La qualité graphique, c'était plus ou moins équivalent à un jeu de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On voit quand même que c'est beaucoup plus joli, le remake est vraiment bien. Ah oui, et, il faut en parler de ce Resident Evil-là, il a quand même révolutionné le genre, avec sa caméra embarquée, ma caméra à l'épaule comme ça, et puis ils ont vraiment fait un gros virage vers le jeu d'action, quoi. Donc ça... Ah ouais. Ouais, donc si ça vous intéresse... Nous, on n'a pas testé, en tout cas. J'ai pas eu l'occasion de tester, et j'ai pas le jeu, de toute façon, le remake, je l'ai non, pas. Non, je l'ai pas non plus, mais bon, ceux qui ont le remake, pourquoi pas tester, le mode est gratuit en plus, donc... Donc voilà, pourquoi pas. On va changer pour un jeu, lui, qui a été développé spécifiquement pour la vue en FPS et même en bodycam, puisque on va vous parler du jeu qui s'appelle Bodycam, justement. Qu'est-ce que c'est que Bodycam ? C'est un jeu réaliste multijoueur dans lequel on incarne un mec qui doit tuer les autres. Dans des équipes en quoi? C'est du 5v5, je crois. Ouais, c'est
Ouais, le but, selon le développeur, c'est de faire un jeu plutôt compétitif. Et en fait, bah, les contrôles sont assez spéciaux, on va dire, puisque on a. En fait, c'est un genre de mix pour la visée entre du free aim et je sais pas trop quoi. Ce qui fait que c'est pas forcément hyper facile à prendre en main. Et voilà, on avait pu tester les playtests. On avait pu. Voilà, et on avait même fait une petite interview. Des devs qui étaient venus sur notre stream pour discuter, et c'était vraiment très chouette. Et le jeu en lui-même, bah, moi j'avais bien aimé, j'ai trouvé ça assez sympa, un peu rafraîchissant d'avoir ce nouveau style de gameplay. Toi, Shuka, je me rappelle que tu étais un petit peu plus réservé sur bah, le fait de pouvoir s'amuser longtemps dessus, peut-être de se lasser très rapidement. C'était effectivement les modes de jeu présentés, c'était uniquement du team deathmatch ou alors du deathmatch, mais là encore moins d'intérêt. Voilà. Et donc bon, pour l'instant on n'a pas de nouvelles là-dessus. On sait qu'ils bossent sur d'autres modes de jeu, on sait qu'ils bossent sur d'autres cartes aussi, parce que là c'est des cartes un peu déjà toutes faites, donc qu'eux n'avaient pas vraiment créées. Donc voilà, donc on en attend plus. Normalement, une version Early Access devrait sortir en 2024. Mais bon, il y a encore du boulot et ils le savent. Et donc voilà, ils ont embauché des gens pour faire justement du level design, pour faire plein de trucs comme ça, quoi. Ouais, niveau hitbox, Voilà bah, ça allait globalement. encore. Ouais. Ça allait encore. Je sais qu'il y a Koyan qui demande si la Ouais. hitbox ça va. Bah ouais, ça va. Après, c'est vraiment pas évident dans l'action comme ça, tirer à l'aveugle, de savoir si la hitbox était assez précise. Mais pour ce qu'on a testé, pour l'instant, ça allait. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal d'améliorations aussi là-dessus. Mais bon, ils vont bosser, quoi. Après, ouais, ça va être un jeu qui sera pour l'instant uniquement multijoueur. Et il parle de mettre du compétitif, mais après on va voir un petit peu. Je pense qu'il faut déjà qu'il fixe bah, tous les problèmes qu'on a vus déjà lors des playtests. Et puis après voilà, les playtests ça a servi à ça aussi de toute façon. Effectivement. Bon, on va enchaîner directement, comme ça on va prendre peut-être plus de temps sur les dossiers. On va pas trop s'étendre sur les news. Là, je vais vous parler vite fait de la fermeture d'un mode pour Team Fortress 2, donc le Team Fortress 2 Source 2. Globalement, donc c'est un mode qui visait à porter Team Fortress 2 sur Source 2. Et Valve, en fait, a fait une demande d'IMCA pour stopper le développement de ce mode. Donc on ne sait pas derrière pourquoi, parce qu'en général Valve est plutôt conciliant avec tout ce qui est modeur et tout ça, puisque c'est un peu grâce à eux aussi que plein de jeux de chez eux fonctionnent beaucoup. Donc il y a des rumeurs, des gens qui se disent peut-être qu'ils sont en train de développer Team Fortress 3, peut-être qu'ils font eux-mêmes un portage vers Source 2, on ne sait pas. Voilà, et puis c'est tout. Je sais pas, vous aviez un truc à dire là-dessus, les gars? Non, Non. perso, non. Ce sera comme pour CS, ils vont lâcher un tweet à l'arrache à un moment en disant ouais, au fait, dans 3 mois, ça sort, puis voilà. Peut-être. Va bien. Ouais. Alors là, on va changer complètement d'univers, puisqu'on va passer dans le médiéval fantastique, et plus particulièrement dans des donjons, avec Dungeonborn, Matmoitin. Ouais, c'est ça. Bah, Dungeonborn, c'est un copier. Collé, on va être clair. Bah, je pense que vous connaissez tous Dark Undercover et toute son histoire et son développement, on va dire chaotique, tout ce qui s'est passé. On en a parlé sur Naufrag, principalement Estia. Donc ouais, bah là, ça, on va dire que c'est du Dark Undercover sous Unreal Engine 5. C'est développé par une trentaine de personnes. C'est sorti. Il y a une démo qui était disponible pour les Steam No Fest. On a pu tester ça. Attendez, la vidéo elle est dégueulasse. Je vais essayer de passer un petit peu. Et donc ouais, on retrouve vraiment les mêmes assets, les mêmes mécaniques. Donc c'est du dungeon crawler 3v3. J'avais mis 4v4 sur ma news, mais j'ai rectifié le tir. Là, effectivement, c'est du 3v3. Et on va pouvoir jouer des classes. Bah, les classes de classiques, hein, du guerrier, du nécromancien, du Ouais, des pyromancien, tout ça, mages. quoi. La magie et compagnie. Donc Quand tu apparemment, il dis y aura des... 3v3, c'est des équipes de 3, mais il y a
plus que deux équipes. Ouais, Il va y avoir ça sera des 3 v3, ça peut être 3 v3, 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 un truc comme ça. Et donc c'est du PVPVE. Donc il y a Oui, aussi voilà, des IA c'est à gérer. Ouais, honnêtement, moi j'ai testé la démo, je pensais que ça allait être mieux que ça. C'est quand même assez. C'est encore assez brouillon, c'est un jeu qui est encore en développement. Mais même si Dark and Darker est peut-être un peu moins joli, entre guillemets, ou comme c'est pas le même moteur graphique, il y a quand même un peu plus de charme, je sais pas, il y a un truc en plus. Mais ouais, sinon c'est les mêmes assets, les mêmes choses, quoi. Les mêmes choses. Voilà, la différence de celui-là, il marchera peut-être mieux. Il sera moins niche, parce que du coup, celui-là, il est dispo directement sur Steam. Alors que Dark and Darker, il faut passer par un launcher indépendant et compagnie, quoi. effectivement. Mais si vous Bon, voulez après, tester, c'est la vrai démo est dispo sur Steam encore jusqu'au 12 ou 14, je sais plus. si c'est dans le cas du Steam Neo Fest, jusqu'au 12, je pense. Demain. Ok. J'ai perdu ma fiche, mais ça va revenir. Voilà, la Voilà. voici. Donc là, on va revenir plutôt dans le présent, voire même dans le futur, puisque on parle de Stalker 2, Heart of Tchernobyl, qui a été reporté au 5 septembre, mon cher Loulou. Alors oui, effectivement, alors ils avaient laissé une fenêtre de sortie prévue pour le premier trimestre 2024, malheureusement. Au travers d'une bande-annonce assez courte avec un feu de camp et divers PNJ, on va dire, dont nous, le héros, avec quelques notes de guitare pour nous finalement nous informer que oui, bah ça sera pas pour tout de suite, les gars, vous allez attendre encore un petit moment. C'est un bien pour un mal, vaut mieux qu'ils finissent très bien le jeu, qu'ils polissent très bien, qu'ils enlèvent tous les bugs qu'il doit avoir dedans. Finalement, bah, comme tu avais dit, Estia, donc il sera prévu normalement, si tout va bien, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau report encore. Pour le 5 septembre 2024. Alors, la nouvelle est aussi, bien que le jeu ait été reporté, vous aurez le grand plaisir de pouvoir précommander les différentes éditions. Ça, par contre, ils ne Ah, l'ont pas ça fait oublié. longtemps. Et il y en a qui sont pas mal, surtout celles à plus de 100 euros. Bon, après, libre à chacun de se faire plaisir, mais je pense pas que mettre 110 euros dans Stalker, après, tout dépend si on est extrêmement fan ou non. Voilà ce qu'on peut dire pour ce report. Très Ouais, bah bien. c'est vrai que on s'y attendait, hein. C'est que moi j'avais revu un oscope de 2020. Si je dis pas de conneries, de 2022 ou début 2023, je disais ouais, c'est sûr, ça sortira. Et FCP m'a dit, avec l'expérience d'FCP, il m'a dit non, non, il dit tu verras, Matt, ça sera reporté à début 2024, ou vraiment au mieux, et ça m'étonnerait. Et tu vois, il a tapé dans le mille. Moi, j'ai juste été un petit peu déçu, c'est de la vidéo qui nous ont claqué, parce que c'est une vidéo qu'on avait déjà vue dès le départ, je crois, de cette image ou Il y je a sais très plus quoi, longtemps. autour du feu. Bon, après, voilà, ils vont pas s'attarder là-dessus. Je pense qu'ils sont en plein boom, si c'est pas un mauvais jeu de mots, mais. Ouais, moi je l'attends. Je pense que bah, toute la rédac l'attend, ce jeu, hein, de toute façon. Oui, c'est sûr. On va en reparler tout à l'heure. Ça va Effectivement. être quelque chose, je pense. Exactement. On va rester avec toi, Loulou, puisque tu veux nous parler 2 minutes très rapidement d'un petit mode qui est sorti pour Portal, Portal de même. Alors, effectivement, donc il y a un portal qui est sorti, on va dire, début janvier, qui s'appelle En mode. Mortal Revolution. Voilà. Et disons que bah, c'est pareil, c'est toujours. C'est un épisode en fait qui se situe entre le premier et le second. Et vous incarnerez en fait un nouvel humain, un nouveau cobaye en fait qui est réveillé par un robot qui s'appelle Sterling. Et en fait, vous devrez, au travers voilà de ce puzzle game, en fait récupérer un dispositif qui aura pour but de redonner sa gloire d'antan à Aperture. Voilà. Donc dedans, bah, c'est composé d'au moins d'une quarantaine de puzzles avec différentes mécaniques de gameplay, dont voilà un cube laser maintenant, des niveaux qui sont jouables uniquement avec le Portal Gun bleu. Et bien évidemment, ils ont réintégré, alors je pense, hein, si j'ai bien compris la dernière fois, réintégré les fameux systèmes de tubes dans lesquels on peut voyager, on va dire, faire transiter à très grande vitesse, on va dire, des objets d'un point A à un point B. Voilà. Ah, On peut d'accord. dire sur ce portal-là, qui d'ailleurs est également très apprécié. Hein, d'ailleurs, beaucoup de gens ont d'ailleurs laissé des reviews très positifs sur ce dernier. Voilà ce que je peux dire sur ce nouveau mode, on va dire. Très bien, merci Loulou. Et puis on va passer à toi, Shuga, parce que en fait tu n'as pas parlé depuis le début, mais voilà, tu vas te rattraper pour parler de ce magnifique jeu. Je suppose que tout le monde attend beaucoup à la rédaction.
Ouais, Avowed, le prochain jeu de Obsidian dont on n'a rien à cirer. Déjà, bon, les Skyrim-like, moi, Skyrim, j'ai essayé d'y jouer, j'ai trouvé ça naze, mais bon, je vais peut-être froisser des gens en disant ça. Et là, c'est clairement un peu la même chose, sauf qu'en plus, ça a l'air encore plus mou. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est très fort. Bon, Obsidian nous fait une vidéo très marketing pour nous dire pourquoi Avowed sera vachement bien. Il y aura des combats avec de la magie, des épées, des arcs, des pistolets, voilà. Mais l'ADA très cartoon, et puis même la mollesse des ennemis, enfin, ça fait vraiment jeu console de bas étage, c'est assez affligeant. Et puis on nous a resservi le coup des choix avec des zones de gris pour la moralité. En gros, il n'y a pas de bon choix, ce ne sont que des compromis. Si c'est la même chose que ce qu'ils avaient fait pour The Outer Worlds, ça va être tout aussi bancal ou mauvais selon les points de vue. voilà, bon, ça vend pas du rêve. Ils essayent de nous convaincre que ça va être vachement bien, mais ça a l'air extrêmement terne comme jeu. Oui, franchement, je suis vraiment pas du tout hypé par Avowed. Les combats ont l'air mou du cul, mais voilà, ça a l'air Non, elle a l'air vraiment très vraiment très con, chiant. quoi. Ouais, ça a l'air aussi assez générique, on va dire aussi. Et Bah lui, il est oui. bizarre, on dirait un extraterrestre. Bon, là, c'est pas sa faute, par contre, mais ouais. Par contre, c'est pas bien de se Elle, moquer, ouais. mais c'est vrai, il me Non, fait non, peur. non, c'est. Ils ont pas, ils l'ont pas mis en valeur avec l'angle de caméra qu'ils ont choisi. Non, Bon, ça. carrément, Effectivement. Je pense qu'ils se sont Enfin inspirés de lui bon. pour faire les lézards, hein, tu vois. Probable. Bah, ou On espère. peut-être les gobelins. En tout cas, Méchant. voilà, on va passer à un autre jeu qui, par contre, on aurait pu le mettre dans la rubrique nécrologie, on a un peu zappé, mais bon, tant pis, on va en parler maintenant. En quelques mots, hein, parce qu'on n'a pas d'image, hein, c'est Deus Ex. Il y a une nouvelle version, enfin, un nouvel épisode de Deus Ex qui était apparemment en préparation depuis 2 ans. Qui a été annulé par Embracer Group, puisqu'ils ont licencié, je sais plus encore, la moitié du studio, dans le Effectivement. genre. Là, tous les licenciements, là, il y en a pas mal. Ouais, c'est Et triste. donc, ça a touché encore, comment dire, là, qui y a, j'ai oublié le studio qui s'occupe de ça, Eidos Montréal, voilà, pardon. Qui avait racheté le studio donc en mai 2022. Et donc à ce moment-là, a priori, un nouveau Deus Ex avait été commencé, un peu même quelques mois avant en tout cas. Et donc, bon, bah voilà, il n'y aura pas de prochain Deus Ex. Et bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi franchement, je m'en branle un peu, parce que bah, le premier Deus Ex, oui, d'accord, c'est un. Comment dire, je trouve plus mon mot, mais en tout cas, ça a posé les bases. D'autres immersive sims, mais les suivants n'étaient pas aussi aussi iconiques, je dirais. Donc Ça, c'était pas je sais pas forcément. que... Enfin, sur les Après, il premiers, y en je a qui les ont ai beaucoup aimé, hein, pas. mais J'y ai joué honnêtement à l'époque, bah, début de Naufrague et compagnie, c'est vrai que ça en parlait déjà. Moi, j'y avais joué un petit peu, j'ai jamais passé énormément de temps dessus. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'était très immersif et ça a posé beaucoup de bases et ça a inspiré beaucoup d'autres jeux. Après, les autres Deus Ex avec Mankind Divided, je sais plus quoi les noms Mankind là. Divided Ouais, et puis Ouais, voilà, c'est Human. ça. Ouais. Ceux-là, bon, ils ont bien marché, hein, mais je sais C'était pas pas. mal. Après, Pas tant que ça, en fait. Moi, j'étais d'ailleurs surpris de voir qu'il y en avait un autre en préparation. Parce qu'effectivement, Human Revolution, Mankind Divided et ce troisième, ça devait être une trilogie avec Adam Jensen en personnage principal. Mais ouais. après Mankind Divided, Eidos avait dit que pour l'instant, ils ne feraient pas de troisième opus parce que justement, ils n'avaient pas fait assez de ventes. Donc là, Ouais, c'était un mais peu surprenant qu'il y en avait en préparation. Surtout que Eidos, après, ils faisaient. Enfin, c'est ceux qui ont fait les Gardiens de la Galaxie, là, je crois. Le TPS à la ouais. con. Bref, on pressentait qu'ils allaient se transformer en fabrique de jeux Marvel. D'accord, ouais. Et donc, ouais, là, qu'ils annoncent qu'il y avait bien un troisième Deus Ex en préparation, c'était assez surprenant, mais tant pis pour nous. Ouais, c'est quoi, c'est Eidos Montréal qui préparait ça? Qui avait Ouais.
Ouais, bon, Et après. je regardais les Deus Ex, ça c'est mieux vendu que les jeux Arkane, tu vois, par exemple, qui ont eu des suites. Donc, Oui, parce que je pense que l'avantage, c'est que Deus Ex, tu as la licence Deus Ex qui parle à beaucoup de monde. Et donc, Ouais, tu c'est peux vrai. vendre juste grâce au nom. Mais en fait, je pense qu'entre le budget nécessaire pour produire des jeux comme ça et les résultats de vente, enfin, ça doit être ridicule par rapport à des jeux à licence comme des Marvel, quoi. Où là, C'est tu sûr. touches beaucoup plus de monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je vais continuer à prendre la parole pour vous parler un tout petit peu de Road to Vostok. C'est vrai, j'ai un peu ce qu'on avait déjà parlé, mais bon. Du coup, je ne vais pas m'étendre très longtemps dessus. Il y a une petite démo qui est sortie il y a un petit moment maintenant. Si je pense qu'on en a déjà parlé la dernière fois, en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais vous redire qu'il y a une petite démo qui est sortie en fin décembre qui fait quoi? C'est qu'en fait, il y avait déjà eu une démo, mais c'était sous Unity, mais le développeur est passé sous Godot suite au scandale avec Unity et tout ça. Et donc, du coup, c'était la première démo sous Godot. Et là, entre-temps, je peux vous dire quand même qu'il continue à bosser et qu'il est en train de préparer sa nouvelle démo. Ce sera sans doute un peu plus que juste une présentation technique en fait des mécaniques. Parce que là, pour l'instant, vous pouvez aller sur la fiche du jeu. C'est vraiment vraiment très basique. Enfin, comment se déplacer, comment en tirer avec une arme, comment manipuler l'arme, mais il n'y a pas vraiment de jeu, quoi. C'est plus les bases, quoi. Donc là, il est en train de préparer justement des pièces, enfin des nouvelles zones, etc. Et sans doute des nouvelles mécaniques. Et donc voilà. Donc, normalement, il devrait y avoir bientôt une nouvelle démo un peu plus orientée vers ce que sera le jeu. D'ici quelques mois, j'ai plus en tête les dates. Mais en tout cas, en général, il se tient bien à sa roadmap. Donc il suffit d'aller voir sur sa page, sur son site. Je crois qu'il a sa roadmap qui indiquera ça. Voilà. Et puis on va enchaîner directement parce que, comme on a déjà parlé la dernière fois, c'est pas peine de se s'étendre. On va venir sur quelque chose de très original en ce moment, puisque on part sur un nouveau bodycam FPS, mais cette fois-ci un peu rétro, en tout cas. Alors, on ne sait pas si ce sera bodycam, et je Ah pense bon? pas que ce sera rétro. Enfin, donc ils ont posté une vidéo de Project Hornet. C'est quoi Project Hornet? Bah, vous vous rappelez de Contain, ce jeu pourri en coopération, là, inspiré des FTP. Et bah voilà, c'est pareil, sauf que je pense que c'est un peu pendant la guerre froide, parce qu'il y a des mentions du rideau de fer, etc., dans le lore un peu du jeu qu'ils essayent de construire. Et donc on n'en voit pas grand-chose, hein. On voit deux mecs avec des animations bien rigides, ils ont un balai de 3 mètres dans le cul, qui rentrent dans un bâtiment et ils se font surprendre par une bestiole floutée. Ça ressemble à du bodycam parce que bah, les mouvements de l'arme, etc., et puis l'effet un peu fisheye qu'il y a. Ouais. Façon found footage. Donc bon, on sait pas grand-chose. Moi j'ai rejoint le Discord du jeu pour voir un peu, parce qu'il disait peut-être qu'il y aurait des playtests prochainement. Donc, je voudrais savoir quand est-ce qu'ils vont le faire. Et les seules news qu'il y a régulièrement sur le Discord, c'est bah, justement des fiches façon SCP, des anomalies, Ouais. dont en fait les joueurs seront tâchés de récupérer dans un monde ouvert en coopération. Et ce sera que contre de l'IA, puisqu'il y aura d'autres factions qui seront en compétition avec les joueurs pour récupérer ces artefacts, mais qui ne seront pas contrôlés par d'autres joueurs. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Je pense que ça risque d'être très mauvais. La question de Wond, c'est quoi du bodycam? Je dis l'effet caméra embarquée, mais comme on peut voir par exemple, des flics, souvent, ils ont une caméra au niveau du buste et on voit enfin des séquences de quand ils interviennent, etc. Et donc c'est typiquement ça, quoi. Voilà. Ensuite, on va finir ces news en vrac avec Zoocosis, une rencontre horrifique entre The Thing de Carpenter et Ma vie de gardien de zoo, n'est-ce pas, Loulou? Effectivement, alors c'est un nouveau jeu d'horreur qui risque de plaire à la rédac. Alors l'idée c'est très simple, hein, c'est simplement que vous êtes un gardien de zoo et un soir, alors surtout un gardien de nuit, excusez-moi.
Et un soir, vous vous rendez compte qu'il y a un parasite qui se trimballe dans votre zoo et qui transforme les animaux en espèces de mutants dégueulasses à la The Things de Carpenter. Et le but, en fait, vous aurez pour mission, en fait, ben déjà de détecter ces monstres et de trouver un moyen de les soigner tout en faisant vos activités nocturnes, c'est-à-dire de devoir nourrir les animaux, vous occuper de bien les soigner, etc. Donc, de ce qu'on en voit, bon, les monstres, ils ont l'air visuellement pas mal, on va dire. Ouais, quand Après, même, ouais. en termes de gameplay, ben non, ça reste à voir. Est-ce que ça va vraiment tenir la route, hein? Je veux dire, à chaque fois qu'on voit des extraits, on finit toujours par se faire bouffer. Je sais pas si ça va être aussi dur ou pas de pouvoir sauver ces animaux. Est-ce que à ce stade, ça vaut encore vraiment un intérêt de les sauver? C'est pas plutôt simple de les fumer, mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, ça a intrigué pas mal de gens parce que c'est vrai que bon, c'est original. On va dire, on change de thématique. Là, au lieu de s'enfermer dans un parc d'attractions, dans une maison hantée toute pourrie ou avec des draps qui volent, là, on a plutôt voilà un univers autour des animaux, gardiens de zoo. Donc, ça pourra être marrant. Après, les développeurs ont informé que dans ce jeu, il y aura des multiples fins qui seront liées au choix qu'on effectuera. Bon, comme on n'a pas d'exemple précis, ça sera à voir dans les différentes évolutions, voilà, les différentes mises à jour, voir comment ça va vraiment se présenter, si ça va avoir un vrai impact et si les fins seront aussi, comment dire, différentes que ce qu'ils avancent. Pour le moment, bah, il n'y a toujours pas de date, mais on vous tiendra au courant, mais il y a toujours une page Steam si vous êtes intéressé. Voilà. Niveau du beurre et tout ça, c'est vraiment original quoi. Bon, c'est un jeu d'horreur, d'accord, mais il y a vraiment un truc qui diffère des autres. Ouais, Plutôt pas bah mal. moi j'aime bien, c'est le côté de Carpenter, quoi. Ouais, Ouais, carrément. Belzaran l'a dit dans le chat, mais ouais, moi quand j'ai vu la vidéo aussi, je me suis fait la réflexion que les animations sont incroyables. Je sais pas à quel point le trailer est pipoté, Ouais, c'est ça le problème. C'est peut-être du Target Render, un truc comme ça. mais ça a l'air assez fou et c'est vraiment dégueulasse, hein. Jamais j'ai joué à un truc pareil. Ah, moi aussi, Façon, moi aussi, moi aussi, moi aussi. De toute façon, une bande-annonce, c'est comme une publicité McDo, c'est la photo et non contractuelle. Donc, c'est pas parce que vous voyez un truc super bon que ça va être super bon. Il faut faire gaffe, Ouais, en fait, c'est pour ça. faut Mais se après, méfier, ouais, c'est sûr. ça veut pas dire après que ça va pas être bien. Hein. Au contraire, hein, après, il faut pas non plus tomber dans la méfiance totale. Voilà. Alors, on va passer vite fait à une petite news tech business, puisque là, je vais vous parler un tout petit peu du rachat, enfin, non, pas du rachat, mais de ce qui s'est passé en janvier, là, chez Microsoft. Donc, je titrerai que après son rachat, Microsoft découvre que Blizzard développe un jeu de survie. Et en représailles, il licencie 1900 employés, tellement choqué par cette révélation. Mais non, c'est une blague, évidemment, sauf pour les 1900 employés, par contre. Mais voilà, donc en fait, Microsoft a licencié donc 1900 employés chez Activision Blizzard dans sa branche Xbox. Dont fait partie ZeniMax, Bethesda, Arkane et tout ça. A priori, ça n'a pas trop touché Arkane. Bethesda, on ne sait pas trop, peut-être, Parce mais qu'Arkane pas trop de compte déjà nouvelles. partie. Ouais, c'est possible. En tout cas, Arkane Austin, en tout cas, il n'y avait pas les anciens qui étaient partis pendant le développement de. Comment ça s'appelle Paul. déjà? Redfall, voilà. Mais du coup, on a deux trois infos. Il y a des gens qui bossaient sur les Call of qui ont été virés, notamment donc Sledgehammer Games. Donc, alors, pas tout le monde, hein, mais 30% du staff quand même, ce qui est assez énorme, de Sledgehammer Games qui a travaillé sur le dernier Call of. Et il y a High Moon Studio, donc 10% d'High Moon Studio qui a participé à la libération de précédents opus de la série. Je ne sais plus lesquels c'est, mais il y en a quelques-uns que vous connaissez sans doute. Vanguard, il me semble, et puis quelques autres. Et il y a eu aussi des gens qui sont partis, qui ont été virés donc, chez Treyarch, Raven ou Infinity Ward, qui sont trois autres studios qui bossent régulièrement sur les Call of Duty. Bon, après, il y a aussi d'autres studios, mais que je n'ai pas cités parce que bah, ils font des jeux qui ne sont pas des FPS. Mais voilà, il y a des trucs. Des trucs qui sont enfin des studios qui sont assez anciens et qui ont perdu des membres. On a aussi dans la même news, on a parlé du fait que le jeu de survie Blizzard dont on a parlé plusieurs fois, qui n'avait pas de nom, qui est donc en développement depuis 6 ans, et ben en fait il a été simplement annulé.
Voilà, alors les raisons invoquées, donc c'est un problème de moteur, puisque en fait, en interne, apparemment, ils avaient fait un prototype sous Unity, et bah, les dirigeants se sont dit non, non, il faut faire avec le moteur un moteur maison. Et donc, ils ont pris un moteur prévu à l'origine pour les jeux mobiles, et apparemment, c'était de la grosse, grosse merde. Et du coup, bah, même si, d'après les développeurs et les gens internes au projet ou anciens membres du développement, c'était trop bien, c'était très beau, et que ça allait avoir un super impact sur l'industrie, et bah, de toute façon, tout est à la poubelle. Voilà. Jeu de survie qui va avoir un impact sur l'industrie, Ouais, mais il mais voulait c'est se bizarre, convaincre c'est bizarre. lui-même, ce monsieur. Ouais, mais ouais, c'est ça. C'est par contre, effectivement, c'est des petites phrases de développeurs ou de gens art directeur, Moi, tout quand ça. j'entends ça, je me dis alerte au gogo. Bah, ça dépend, parce qu'en fait, c'était au moment de la révélation, enfin de l'annonce, donc il y a 2 ans. Et donc à ce moment-là, bah, en fait, on disait quoi? Bah, il faut vendre le projet, il faut lancer la hype. Donc c'est pas le moment de dire. Ouais, pour l'instant, c'est un peu naze, mais soutenez le jeu. Je sais pas, tu vois, c'est. Donc voilà. Si ça se trouve, c'était vraiment hors contexte. Et bon, bah, il y avait. C'était un projet classique. Et c'est juste que bah, des mecs ont été interviewés et ils ont dit, ouais, c'est trop bien. Parce que ils étaient dans le studio à l'époque, quoi. Enfin bon. Franchement, bah, nous, on s'en branle. Parce que les jeux Blizzard, on peut pas dire qu'on soit super fan. En tout cas, les jeux FPS de Blizzard. Et voilà. Et pour finir, on rappelle que Microsoft n'est pas votre ami, ni Sony, ni n'importe qui. Donc les petites guéguerres du genre ouais, le rachat, machin, il y avait les gens s'entre-déchiraient pour dire ouais, ils vont sauver l'industrie ou je sais pas quoi. Non, Microsoft comme Sony, comme Nintendo, comme n'importe qui, ce qu'ils veulent, c'est de la thune. Et donc faire des projets qui sont rentables. Donc en gros, votre jeu, les immersive sims notamment, il y a de moins en moins de chances qu'on envoie des AAA puisque ça rapporte pas de thunes. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est des trucs qui se vendent bien, qui sont faciles à faire. Et voilà. Et donc du coup, ça va être toujours plus de microtransactions, plus de choses comme ça. Et donc la vision artistique, vous pouvez vous la mettre dans le cul. Voilà. Voilà, globalement. Ça va être un gros développement parce qu'il licencie aussi justement pour avoir moins de problèmes d'overhead où ils ont des coûts fixes de production qui sont énormes parce qu'ils ont des Non, studios c'est vrai. surdimensionnés. Et donc justement, tu peux plus prendre de risques quand tu as des trucs comme ça. On l'a vu avec Ubisoft, hein, qui recycle ad nauseam leur design parce qu'ils ont des studios tellement gros que s'ils font un truc différent, ils ont tellement peur que ça capote. Enfin voilà, là. Peut-être que justement, en assainissant un petit peu leur masse salariale, ils arrivent à avoir des projets plus intéressants. Je sais pas. C'est triste, hein, pour les 1900 personnes qui perdent leur boulot. Hein. C'est sûr que voilà. Mais l'industrie du jeu vidéo est très volatile. Et surtout qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'embauches pendant le Covid. Peut-être dû au fait que justement, il y avait pas mal de projets qui ont été repoussés et qui ont été retravaillés pendant cette période-là. Et post-Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup d'embauches encore. Et c'est vrai qu'on a vu tout 2023, beaucoup de licenciements. Et là, sur le premier mois de 2024, on a, je sais plus combien c'était, quelqu'un avait sorti le chiffre, mais c'est une part, genre, c'est 30% du nombre total. Des licenciements de 2023 et en un mois c'était déjà fait en 2024 quoi. Donc c'est vraiment énorme hein, le nombre de licenciements hein, sur le début. Voilà. Non, j'avais rien d'autre à ajouter, je crois. Quelqu'un peut ajouter autre chose? Non, 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 bah ça, Non, voilà. que... C'est triste, Ok. mais voilà. Voilà. Ouais, bah c'est quand même, oui, Mais c'est c'est pas triste, oui. surprenant. Ça, en C'est pas fait. surprenant, effectivement. Malheureusement, ça On va devient de la terminer, normalité, Loulou. donc. Ouais, malheureusement. On va terminer avec toi, Loulou, sur un petit DLC. Ouais. DLC perché d'Atomic Heart, donc est Effectivement. sorti. Oui, alors il est sorti cette semaine, donc c'est le dernier et le deuxième DLC sorti ce jour. Donc c'est le Trap in Limbo. Donc en gros, voilà, vous incarnez toujours l'agent P3 qui va devoir traverser, on va dire, l'univers de Limbo afin de, bon, déjà de révéler des secrets de sa vie, également découvrir les mystères qui entourent ce monde, on va dire, de l'inconscient, du subconscient, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc
C'est, on va dire, c'est assez original par rapport à l'univers. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des mécaniques de gameplay, bon, si vous aimez pas glisser à toute vitesse sur des rampes, devoir affronter des hommes qui ressemblent à des bonbons ou même affronter des oies, c'est vrai que ça peut laisser perplexe. Alors c'est vrai que c'est cette news, on va dire, un petit peu divisé les gens. Un petit clin d'œil à Gotax aussi, au passage. Mais voilà, donc ce qui est dommage avec ce DLC, bon, outre, voilà, comme je dis, l'univers, les ennemis assez étranges, il n'y a pas vraiment de nouveauté, c'est ça qui est un petit peu décevant. Il n'y a pas vraiment de nouvelles armes, il n'y a pas de nouveaux pouvoirs, c'est plutôt un univers, qu'à dire, qui, surtout au niveau des armes, qui ont été reskin pour ressembler à des sucreries. Sinon, ça peut être marrant. Bon, je peux pas vous dire combien de temps le DLC dure, mais voilà, je pense qu'il divisera. Ça pourra plaire à certains parce que c'est original, et il y en a d'autres qui diront, qu'est-ce que ça fout là? Certes, il y a eu des parties, des morceaux de Limbo qu'il y a eu dans la trame principale du jeu, mais de là en faire un DLC à part, je sais pas si c'était vraiment très pertinent. Voilà ce que je peux dire sur cette sortie de DLC. Mais en soi, après, c'est. Peut être bien. Hein. Je peux pas dire parce que moi, je l'ai pas testé. Et il y a toute une partie apparemment qui est un peu genre du parcours Voilà, c'est ça. enfin, hyper hyper rapide, Hyper très rapide. aérien, hein, avec C'est ça. donc un gameplay qui a rien à voir avec le jeu de base, effectivement. C'est Et sûr. Gotax nous dit c'est super. Alors, est-ce qu'il parle du DLC ou de Atomic Heart? Parce que Du fait que j'ai ouais, mis on sa ne sait ganache pas. partout sur mon mur de derrière. Ah, c'est possible, ouais, d'accord. Vive Atomic Heart post final. Ok, les deux, Les deux. d'accord. Ok, très Ouais, bien. Très non. bien, très bien. Ouais. Je pense que c'est un DLC qu'il faut Ouais, jouer. je l'ai lancé. Il faut jouer à Ouais, Pâques bien et bourré. défoncé. Ouais, c'est un petit bonus, quoi. Faire passer le temps. Le temps que le 3 et le 4, le DLC 3 et 4 arrivent, quoi. Voilà. Eh bien, on a fini avec nos news. Voilà, on avait promis de faire court. Et on a fait quand même assez court. Donc, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au dossier, au premier dossier. Parce que là, on a deux dossiers de prévus. On a donc les attentes 2024, on va commencer par ça. Et on aura les démos du Steam New Fest ensuite. On a déjà parlé, bon, on attaque direct, hein. On en a déjà parlé tout à l'heure, Stalker 2, donc. Je crois que tout le monde à la rédac l'attend plus ou moins. Alors, peut-être avec des inquiétudes, peut-être avec beaucoup de hype, je ne sais pas. Moi, je suis plutôt chaud quand même. Parce que bon, bah, c'est Stalker, quoi, c'est l'univers qui est vraiment très bien. Graphiquement, on sait qu'ils ont step up pas mal, et en plus, là, ils sont. C'est pas leur moteur maison, c'est Unreal 5, il me semble. Donc, c'est quelque chose qui marche bien. Voilà. Après, les inquiétudes, c'est sur le fait justement, est-ce qu'ils vont réussir à optimiser, est-ce qu'ils vont faire des séquences, enfin, des parties de gameplay qui sont intéressantes. Donc voilà, c'est ça l'interrogation. Mais moi, je suis quand même très 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 chaud. Pas spécialement impatient, parce que justement, qu'ils prennent leur temps, le maximum de temps possible, pour que ce soit bien. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Shuka. Moi, j'ai jamais joué à Stalker, donc Oh, je mon m'excuse, Dieu. je suis désolé. Oh, hérésie. Va falloir que Trois tu copies. répares cette hérésie, hein, parce que là, c'est Je crois compliqué. qu'il faut que je change de carte graphique parce que si Ah non, mais les le. trailers c'est pas du bullshit. Ah oui, tu veux que je joue aux anciens? Ouais, Ah dur bah quoi. oui. Ouais, honnêtement, c'est dur Non, de non, non, jouer aux anciens. c'est. Sans mode, ouais, mais avec un petit mode. Je sais que sur le Discord, il y en a pas mal là qu'on fait avec des mods. Et c'est très très bien, même maintenant. Tu peux vraiment bien bien profiter de Stalker. Ouais, donc du coup, je sais pas, Leloup, toi, est-ce que tu as un avis là-dessus, hein, sur Stalker 2? Alors moi, ça va, je l'attends, je pense, un peu comme tout le monde. Mes craintes, comme on dit, bah, c'est que, un peu comme tous les gros jeux, j'espère qu'il ne sera pas trop buggé, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à pouvoir travailler un minimum dessus pour qu'au moins, voilà, il n'y ait pas de bugs gênants, mais je pense pas en soi que ça, contrairement à certains gros titres qui vont peut-être sortir bien avant lui, je pense pas que ça sera injouable et que ça sera aussi dégueulasse que ça. Donc, moi, voilà, à part l'aspect, voilà, on va dire, buggé, sinon, j'ai pas forcément d'a priori. Je pense que ça sera un très bon jeu par rapport au titre antérieur, on va dire. Mais non, ça va, j'ai une attente normale, mais pas, voilà, pas d'a priori particulier, pas de crainte, on va dire. Ok. Et toi, Matt, Bah justement, moi c'est quoi ton ta passion?
Je veux juste rebondir, ça fait, ouais, il est sorti en 2007, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Donc ça fait, ouais, ça fera 17-18 ans du coup pour la sortie de celui-là. Justement, je rebondis à ce que Balzan dit, un stalker non buggé est-il vraiment un stalker? Justement, je pense que les mecs, ils se mettent, peut-être ou pas, je sais pas, hein, mais ils se mettent quand même une pression parce qu'ils savent très bien que la commu est derrière. Il y a encore une grosse commu qui joue justement au jeu modé. Et au mode dont Gotax parle, Stalker Anomaly, hein, que j'ai testé, franchement, bah, c'est cool. Mais ouais, tu vois que ça a quand même vieilli, bien bien vieilli même. Et ouais, donc certes, tu auras quelques bugs, mais ouais, je pense que les devs savent nos inquiétudes. Je pense qu'ils savent pourquoi on attend Stalker et ils savent sur quoi ils doivent bosser aussi. Moi, je pense qui sera ouais qui sera pas exemple de défaut, ça c'est sûr, mais qui fonctionnera parce que ouais il y a tout cet univers qui tourne autour de ça, toute cette histoire, toute cette polémique, et qui fera que ouais à mon avis il sera top moumoute comme on dit. En tout cas, bah, j'espère l'avoir on espère que ouais pour fin d'année si voilà y a pas encore de soucis, on puisse le découvrir, et pourquoi pas peut-être cet été ou quoi, s'il y a des petites versions en accès Alpha, des playtests et compagnie, pourquoi pas. Et alors, c'est vrai qu'en plus, les devs, ils sont ultra motivés quand même. Ils ont une détermination d'enfer, puisque oui, on rappelle que ce sont des Ukrainiens, donc ils ont commencé le développement en Ukraine, à Kiev, et que bah la guerre est arrivée et que bah ils sont exilés globalement. Enfin, une partie en tout cas s'est exilée, il y a une partie qui est restée aussi défendre son pays. Il y en a certains qui sont morts d'ailleurs. Et donc bah, il y a une grande partie du studio quand même qui s'est exilée. Alors je sais plus trop dans quel pays, mais ils ont eu d'autres déboires. Ils ont été attaqués enfin par des pirates russes et il y a eu des leaks. Il y a même eu un incendie aussi, donc a priori pas criminel, mais bon, ils ont tous les maux du monde sur leur dos, malheureusement. Mais ils s'accrochent. Zubar nous dit qu'ils sont à Prague, voilà. Et donc voilà, rien que pour ça, si c'est bon. En plus, ils symbolisent. Enfin, ils ont un symbole en plus de montrer que ils sont déterminés à faire leur projet aussi pour prouver que les Ukrainiens ils sont déterminés, etc. Donc il y a aussi cet aspect politique en plus qui voilà qui est louable forcément et qui entre en jeu effectivement. Donc, voilà. Je pense que Je sais pas. ça sera plus Oui, vas-y. qu'un Stalker, ça sera plus qu'un jeu vidéo. Je pense que peut-être ils feront un documentaire après dessus, hein, on sait pas, hein, mais C'est probable qu'il y ait quelque chose. ouais, ça serait cool. Moi, j'aurais bien voulu voir justement un documentaire là-dessus sur la production du jeu, sur le développement et compagnie, et dans les conditions dans lesquelles ils ont fait ça, quoi. C'est que c'est incroyable. Ouais. Effectivement. C'est fort possible, hein, qui s'en va. Ah bah c'est déjà fait, comme Ouais. dit Gotax. D'accord. Bah, écoute, tu nous mettras le lien, on regardera ça. Alors, on va passer à la suite. Alors, pour les autres jeux, on va s'étendre un petit peu moins. On Oui. va chacun parler d'un jeu et puis éventuellement, si l'un de nous quatre veut dire un truc en plus, on pourra. Mais on va peut-être pas passer autant de temps. Donc, je te laisse commencer, Loulou. Enfin, Oui. je vous laisse suivre le conducteur et celui qui doit parler parle, et puis voilà, comme Ok. ça. D'accord. Alors, pour faire suite à Stalker, on va repartir sur un monde un peu plus léger, on va dire mais toujours aussi violent. On va parler de Hungerfoot. Alors, c'est un univers dans lequel voilà, on incarne un personnage qui souhaite retrouver ses baskets qui ont été dérobées. Et pour ce faire, justement, l'intérêt de ce gameplay étant qu'il est vendu au travers le fait que vous pouvez donner des coups de pied phénoménal dans la tronche de vos ennemis et surtout défoncer des portes à tout va, à grande vitesse. Donc, vous avancez dans des pièces au fur et à mesure, vous récupérez leurs armes afin de dégommer tout ce qu'il y a devant vous et afin de trouver le malotru qui s'est amusé à dérober vos fameuses baskets adorées. Voilà comment je pourrais résumer Hungerfoot. Et c'est rapide, c'est beau, c'est franchement bon, original aussi dans son concept. À voir après si quand le jeu sortira sur la longueur, bah, quelles sont les nouveautés qui ont été ajoutées depuis. Vous savez que là, ça reste un petit peu assez restreint, à part voilà, une personne qui défonce tout avec son pied et qui ramasse différentes armes.
Mais on sait qu'il y aura de nouvelles mécaniques, comme par exemple des power-ups qui sont liés aux choses que vous allez pouvoir mettre. Et également affronter des boss qui sont, à mon avis, bien singuliers. Voilà ce que je peux dire sur Hungerfoot. Et si éventuellement l'un de mes collègues souhaite ajouter quelque chose, je ne sais pas. Sur Hungerfoot, peut-être si vous avez une attente particulière ou. Ouais, je tout cas. Sans Alors, plus. bah, vas-y. Ah, moi, je l'attends. Enfin, j'avais fait la démo. J'avais trouvé ça très, Ouais. très cool. Parce que c'est enfin, c'est Hotline Miami, mais moi, je suis très mauvais en top-down shooter. Et là, c'est en FPS. Et c'est extrêmement rapide. C'est viscéral. Et puis, une fois qu'on a compris un peu les niveaux, il faut les voir comme des puzzles qu'il faut finir le plus vite possible. Et c'est vraiment très cool. Ça joue très bien. En plus, l'art basse russe, c'est génial. Ouais, la Coup musique, du vent, ça ça donne mal à la m'entend pas, tête, mais mais. ouais. Ouais. Ouais, la bande son, ouais, c'est vrai qu'il faut apprécier aussi la bande son particulière. Ouais, j'avais aimé Voilà. aussi, j'avais téléchargé la démo, je pense qu'elle est toujours dispo. Ouais, bah c'est vif avec la musique, franchement, c'est vraiment cool. Après, comme disent les naufragés dans le chat, ouais, faut voir sur la longueur. Moi j'avais un petit bémol, c'est sur le boss. Ma petite arène, on était sur le toit d'un immeuble, je crois, et puis Ouais, le boss ouais. était naze. J'avais pas trouvé ça super super original. Donc ouais, à voir sur la longueur, mais ouais, c'est vrai que moi je l'attends. Ok. Très bien, Alors, on Emmanuel. va passer, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, puisque là, on va vous parler donc d'une attente d'au moins moi, peut-être Matt aussi, sur Grey Zone Warfare, qui est un jeu qui sort un peu de nulle part, puisque c'est un studio qui, jusqu'à présent, n'avait développé que des jeux mobiles. Et il a s'est dit, tiens, si on faisait un genre d'Escape from Tarkov, mais dans un monde ouvert, très tactique, avec des missions, avec plusieurs factions, des alignements, etc., bah, du gunporn, et plein de choses comme ça, un système de survie, de soins, d'expérience. Et donc, bah, c'est ça, Grey Zone Warfare. Et en plus, c'est très très beau. Avec une jungle luxuriante. Et donc voilà, c'est dans un pays fictif d'Asie. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, je commence à avoir dit quasiment tout ce que j'avais en réserve. Parce qu'on n'en sait pas tant que ça pour l'instant, en fait, hein. Si, je crois que au niveau de l'XP, ils ont dit qu'en gros, c'est pas genre en faisant 10 000 fois une action que tu montes, fais progresser une barre et que d'un coup, paf, ça y est, t'as un nouveau skill. Là, ce serait genre de certification. Alors, j'ai pas très bien compris dans quelle démarche tu faisais ça, mais en gros, tu passes une certification et du coup, si t'as la certification, donc genre peut-être un mini-jeu, mais qui met en œuvre cette mécanique de jeu, eh bien en fait, bah, t'es meilleur après, t'as un bonus ou un truc comme ça. Et donc voilà. Et puis donc les missions pour aller les faire un peu comme on veut, c'est-à-dire s'approcher discrètement ou y aller comme un bourrin. Mais évidemment, il y aura des patrouilles d'IA, peut-être il y aura aussi des équipes de joueurs, puisque c'est du PVPVE. Mais si on est un peu trouillard, on pourra aller sur des serveurs uniquement PVE, comme ça on n'aura pas les d'autres joueurs éventuellement, qui peut être aussi un truc sympa, hein, comme dans Escape from Tarkov. Il y a quand même des séquences de jeu qui sont sympas en affrontant PVP. Voilà, quoi d'autre? Je sais pas trop. Est-ce que quelqu'un d'autre est hypé par ce jeu? Franchement, si ça marche, moi je suis chaud aussi. Parce que ça me rappelle les modes de jeu qu'on pouvait trouver sur Arma, type anti-stasi et tout ça. Et où ça tournait comme de la merde parce que c'était Arma. Mais sur le principe, c'était un peu ça. Tu devais aller à un endroit pour récupérer des ressources ou quoi, pour ensuite pouvoir progressivement récupérer une île. Donc là, c'est pas tout à fait le même principe. Mais le côté très monde ouvert où tu as beaucoup de liberté d'action, franchement, ça peut être très cool. Si c'est pas aussi grindy que Escape of Tarkov, pour moi, ça peut être très, très, très intéressant comme jeu. C'est parce qu'il n'y a pas des missions du genre tuer 10 caves enfin, ou des ennemis avec un tir dans la tête alors que tu meurs de soif et que tu as une jambe cassée, tu vois. Ah ouais, putain. C'est pas mon idée d'une bonne soirée gaming. Voilà, c'est ça.
Ok, on va passer à un rétro FPS. Je pense qu'on attend tous ici. Bah oui, on l'attend tous. Attendez, parce que je fais la région en même temps, je suis un mec, je sais pas faire deux choses à la fois. Voilà, désolé. Bah oui, bah écoutez, Celtic, chapitre tout. Voilà, donc on a eu des nouvelles. Donc le 1 a été terminé. Le développeur, si tu peux me rappeler son nom, Christian. Jason Smith. Voilà, Jason Smith, donc avait donné des nouvelles de son jeu, ben, qui avait terminé, hein. Il avait fait des modes de jeu. Donc il y avait un mode où on pouvait justement voir les marqueurs, les dégâts en fait sur le avec tous les hits. Et il y avait aussi des petits pouvoirs qui étaient accessibles sur la version bêta du jeu, un peu à la BioShock justement. Et Qu'il il avait voulait. enlevé pour la version finale et Voilà. qu'il avait rajouté récemment, là, effectivement. C'est ça. Ouais. Et donc il a dit que son jeu était terminé et qu'il allait cette année commencer à créer, bah, mettre en route la machine pour Cultic 2. Et il a déjà commencé, hein, parce que Ouais, il y a ça des fait. environnements qui sont pas dans Cultic qu'il a déjà teasé sur X. Donc Ouais, bon. je pense qu'il a déjà commencé le développement, Ouais, il a quand dit qu'il allait commencer à en faire en 2000, à faire 2023-2024, il allait se pencher même. dessus. Ouais, Bah ok. franchement, au début, moi j'ai essayé la démo, ça m'a pas trop. C'est pas que ça m'a pas plu, mais je sais pas, il y avait un truc qui m'a rebuté. Et j'ai refait la démo et j'ai acheté le jeu et j'ai adoré en fait. Et c'est vrai que comme je crois que c'était Saer qui avait testé ça chez Naufrag. Donc il avait trop aimé. Et d'ailleurs, c'était le meilleur rétro FPS, hein, je crois, de 2022. Tout à fait. Franchement, il est excellent. Si vous avez joué à Blood, bah, c'est un gros clin d'œil à ce jeu. Et franchement, il s'enchaîne, il se joue. Bah, il se joue super bien, quoi. Tout est bien. Et, franchement, j'ai rencontré peut-être un bug sur le jeu, c'est tout. Et non, tout est bien. Franchement, il est vraiment cool. Ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce chapitre 2. Et je pense que je suis pas le Il y seul. a un jeu à part, hein. C'est pas un DLC ou quoi, c'est vraiment. C'est un. Alors, il s'appelle Chapitre 2, mais c'est que le titre 2, quoi. Ouais, Celtic 2, ouais. J'en peux plus des rétro FPS. Ouais, non, Ouais, mais mais franchement, c'est le celui-là, meilleur. il est vraiment bien. Ouais. Il est vraiment très très bien. Ok. Et bah, justement, on va continuer sur un rétro FPS, puisqu'on va parler de Sélaco avec toi, Chupin. Ah oui, Sélaco, qui est un jeu qui s'inspire très fortement de Fear. Et qui est développé sur GZ Doom. Et j'avais fait la démo et c'était incroyable. Et ceux qui développent ça sur le GZ Doom, je ne sais pas comment ils font, parce que tous les effets de lumière, les effets de particules quand on tire, enfin c'est la violence visuelle est incroyable. Et c'est sur un moteur qui a combien maintenant? Oh Plus là, de une 20 trentaine ans. d'années, quoi. Ah Enfin, ben c'est peut-être si. un portage, mais. Il a été amélioré au fur et à mesure, etc. Mais c'est assez incroyable. Oui, je dirais que ça ressemble à Fear, dans le sens où c'est des combats contre des groupes d'ennemis qui font semblant d'être intelligents en faisant des call-outs pour se dire ce qu'ils font, etc. Donc ça reprend un peu ce principe-là. Ils sont très mobiles, ils essayent toujours de vous contourner pour vous rendre la vie difficile. Quand on leur tire dessus, il y a du sang violet partout. Enfin, les armes sont extrêmement bien rendues. C'est très punchy. Voilà. C'est peut-être être le meilleur rétro FPS de 2024, alors que ça sortira en accès anticipé. C'est pour avril, je crois. Mai. Mais si j'ai pas de bêtises, mais Mai. Mince, ouais. un mois de plus à attendre. Et Ok, la voilà. démo par contre, hein, qui est toujours Ouais. Oui, disponible, il me semble. la démo est toujours disponible et si ça vous tente, allez-y parce que c'est le début du jeu. Donc bon, on l'avait dit l'autre fois, je ne sais plus à quelle occasion, que ces développeurs qui mettent des démos en ligne qui sont le début du jeu avec tout le lore et tout ça, et c'est super chiant parce que ça Ouais, met 20 minutes à on a commencer. parlé avec moi. Ouais. Là, c'est pas le cas, c'est le début du jeu, mais bon, en 3 minutes, ça y est, on a un flingue dans les mains et on bute des trucs. Ouais. Donc le ton est donné et ça marche vraiment très très bien. Voilà, c'est très cool. On attend ça avec impatience.
Ah, c'est ultra nerveux, ouais. C'est incroyable. Je rajoute encore un peu là, mais c'est vrai que la démo est incroyable. Téléchargez la démo, les naufragés. Je sais pas si vous l'avez faite, mais faites-la, putain, elle est trop bien. On va passer à toi, Loulou, ce que je n'avais pas vraiment rangé juste avant. Et en fait, on va continuer sur du rétro FPS. Parce Ok. que, parce que Vas-y, dans, alors. dans le chat, il y en a un, y en a un qui s'est fait chier. Donc, on va continuer dessus. Chier, Vas-y, Loulou. Ouais. Voilà. Et là, pareil, donc on va toujours rester dans l'univers du rétro FPS avec le DLC de Prodeus, The Evil, alors mon anglais est à tuer, The Elder Veil. Donc c'est la suite de la trame principale de Prodeus, donc notre, on va dire, je sais pas si on peut dire agent ou guerrier, j'ai un peu du mal à définir le héros de Prodeus, qui débarque dans une nouvelle dimension, dans un nouvel univers dans lequel il devra aussi faire le ménage, alors toujours à la mode Doom. Alors cette fois-ci, au travers de la bande-annonce, on a pu voir déjà deux nouvelles mécaniques qui sont la chaîne, qui fera office de grappin, qui peut, semblerait-il, s'accrocher aux ennemis. Et également, je crois que ça ressemble à une lance, si on peut dire ça comme ça, qui permet de stun les ennemis pendant qu'en attendant, vous nettoyez le reste des petits mobs, on va dire. Voilà, donc c'est toujours ultra dynamique, le gunplay a l'air génial. Il nous sort enfin des armes qui sont dans la partie multi, qui auraient dû être, dans mon avis, dans la trame principale du jeu qui n'était pas présente. Donc voilà, pour moi, franchement, ça me donne extrêmement envie. Le visuel, bon, bah, c'est toujours impeccable. Au niveau du son, pareil. Mais c'est vrai que l'abondance, ça vend du rêve. Alors malheureusement, bon, il n'y a toujours pas de date, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose, à mon avis, dès qu'il sort, si je peux mettre la main dessus, oui. J'irai volontiers, moi. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il propose. Voilà. Pour rappel, hein, Produce, c'était le meilleur FPS 2022, tout FPS confondu. Hein. C'est lui qui avait gagné notre sélection en 2022. Et ouais, au niveau des lumières, effectivement, Koya nous dit Bell Lights, effectivement, c'est du gros pixel, mais avec des lumières très modernes. Et en fait, c'est des vétérans de l'industrie hein, qui ont fait ce jeu-là. Et ça se sent aussi un petit peu, ils savent vraiment ce qu'ils font. Voilà, je sais pas, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le DLC de Prodeus? Je pense que je tout cas, il y a un truc à dire sur Prodeus. Non, j'ai jamais joué. C'était Genre, promettez que un piège. Non, bah On a le changé. DLC. Ouais, vas-y, excuse-moi. Je sais pas Non, si non, bah, quand vous avez ça. Peut-être en parler aux naufragés. Mais je sais pas si ça serait cool ou si ça vous plairait de. Qu'on stream ou qu'on ait peut-être une journée dans la semaine ou une petite rubrique justement de stream de rétro FPS pour essayer de. Parce que je pense qu'il y a quand même des fans de rétro FPS chez Naufrag et je pense pas que ça mal. pourrait être sympa peut-être de tester ou de jouer de temps en temps, faire un peu de gameplay, même si c'est solo sur du rétro FPS. Donc je sais pas si ça vous dit, ça vous tente. Ouais, peut-être n'hésitez pas en tout cas à faire vos demandes. Mais justement, parce que ça, c'est des excellents titres. Et certaines personnes, peut-être, n'ont jamais pu, pu y jouer. Donc, pourquoi pas, justement, leur donner envie. Parce que c'est des jeux qui doivent Être être une bonne faits. idée. Ah oui. Espèce tout cas. Donc, on va changer de registre puisque là, on va quitter complètement l'univers rétro pour aller dans un univers de film avec Indiana Jones and the Great Circle. Je ne dis pas le nom en français parce que je trouve que la traduction est vraiment à chier. C'est Indiana Jones et le cercle ancien. Voilà. Alors, Qui a niveau commis nom. ce Ouais, délit? voilà. C'est horrible. Voilà, nous, on a décidé à la rédac de garder le titre en anglais, Indiana Jones and the Great Circle. Et voilà, qu'est-ce que c'est? Bah, voilà, c'est Indiana Jones. En vrai, on a peur que ce soit pas terrible. Mais Ouais, ça va être un moi, je. FPS console à la con. Ouais, voilà. J'espère que les énigmes seront pas trop nulles et que ça sauvera un peu le truc parce que moi je suis un grand grand fan d'Indiana Jones. Vraiment, j'adore Indiana Jones. Et donc du coup, j'ai été très très content de voir que c'était vraiment un FPS parce que bon, on s'est dit bah un jeu Indiana Jones, tu te dis pas en premier lieu, tu te dis pas que ça va être un FPS quoi. Tu penses à un TPS, à un truc un peu à la Uncharted, tout un truc dans le genre quoi. Mais non, donc c'est Machine Games qui développe ça, donc ceux qui ont fait les Wolfenstein, les derniers, enfin les derniers, depuis je ne sais pas quelle année, mais Wolfenstein
Youngblood, Youngblood, New Order et non, 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 compagnie. non. Non, non, ils ont fait tous les Wolfenstein récents. Donc, Ouais, le pas New celui de Order aussi, 2009, c'est mais... eux. Comment? New Order aussi, c'est eux. Ouais, et Oui. voilà, ils ont fait à partir de New Order, Youngblood. Youngblood, c'est le dernier, je crois. Ouais. Colossus 2, je ne sais pas quoi, Colossus. Colossus, c'était le 2, Et ouais. un autre, c'était... Enfin bon, vous connaissez. Et c'était très bien au niveau gameplay, c'était vraiment très très bon. Donc là, voilà, on nous promet des affrontements avec les poings, avec le fouet, avec des flingues. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le point fort de ce jeu-là. Il y aura aussi toute une partie vraiment cinématique. Parce qu'ils ont vraiment l'intention de faire... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils promettent, c'est qu'ils essayent de faire un truc qui sera un peu dans la lignée des films. J'espère pas du 4, mais des autres. Et voilà. Et puis il y aura aussi des énigmes qui seront a priori optionnelles parce que, bah, comme vous le savez, hein, ça s'adresse aussi aux joueurs console. Donc faut pas faire des trucs trop compliqués non plus, obligatoires pour les joueurs console. Donc si c'est optionnel, peut-être que ce sera à la hauteur des PC Master Race et ce sera dur. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Moi je trouve que ça donne envie quand même, rien que pour l'univers. Espérons que ce soit pas de la merde. Ouais. Voilà. On Quelqu'un verra. veut rajouter quelque chose? Non, bon après je pense Peut-être que pas. Hein. on aime tous Indiana Jones, je pense. Oui. Et ouais, comme Oui. dit Shtuka, j'espère que ça va pas être un FPS console tout pourri qui pue la merde. Franchement, Non, mais voilà, ça ferait chier. si le côté exploration, que effectivement il y a des énigmes bien foutues, tout ça, et qu'on a un peu l'émerveillement qu'on avait quand on était gosse en regardant les films. Ça peut vraiment être sympa, même si j'ai vu quelqu'un dire dans le chat que le gameplay sera sans doute pas extraordinaire. Effectivement, ce sera sans doute pas extraordinaire, mais si tout le côté visuel est très réussi et qu'on a des bonnes énigmes, ça peut être une bonne expérience. Moi, j'ai une autre peur aussi, que c'est qu'ils veulent en faire trop et qu'on se retrouve avec un jeu qui dure 20 heures, alors que s'il avait fait 10 heures, ça aurait pu être tout aussi bien. Et sauf qu'en 20 heures, bah, au bout de 10 heures, t'en as marre parce que c'est chiant. Ouais. Après, c'est quand même Machine Games qui a fait des très bons FPS, donc peut-être que par exemple la partie gameplay pourrait être intéressante, même si c'est soit pas le cœur du jeu. Donc voilà. Je pense que ça sera un jeu qui, honnêtement, pour que ça marche, il faudrait, bah, comme dit Shtuka, il faudrait que ça rentre 10 et 15 heures de jeu. Bon, une quinzaine d'heures, ça serait bien, avec un jeu qui se concentre vraiment sur la narration, et c'est, je pense que ça sera ça. Ça va vraiment jouer sur la narration, l'histoire et compagnie, parce que Indiana Jones, voilà, il faut que ça tienne debout sur des trucs, sur le scénario. Et puis, ouais, ça sera pas trop orienté action, ça va être beaucoup, ouais, vraiment narration. Et je pense que si les actions s'enchaînent, bon, on a vu, hein, il y aura du rail shooting, et ça sera beaucoup de couloirs, je pense. T'auras pas du monde ouvert, ça va être des temples, des machins, des couloirs où tu vas avoir, à mon avis, énigme, plateforme, un peu action, énigme, plateforme, action. Je pense que ça va être ça tout le temps. Un peu d'infiltration aussi éventuellement. Ok. Bon, on reste avec toi, Matmoite, puisque tu avais une attente, comme plusieurs, je crois, du prochain jeu de ceux qui ont fait GTFO. Ouais, ceux qui ont fait GTFO et Payday 2, et non, pas pour pas citer Non, le premier PD, je crois. le premier Payday, excusez-moi. Ouais, ça s'appelle Den of Wolves. Donc ça va être, bah, les devs de GTFO qui sont en train de faire un jeu de braquage, on va dire comme ça, mais braquage particulier, un peu peut-être futuriste. Donc c'est assez intrigant. On peut lire certaines infos là sur la page Steam. Bon, on n'en sait pas plus, on n'a pas vu énormément de gameplay, pour pas dire rien du tout. Mais vu la qualité du jeu de GTFO, on peut espérer que ce jeu sera à la hauteur de GTFO, en fait. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir à copier-coller non plus, hein. J'espère qu'ils vont modifier beaucoup de choses. Ce sera pas du tout le même jeu non plus, mais... Voilà, j'ai pas envie qu'ils reprennent vraiment les mécaniques de GTFO et qu'ils les mettent sur un jeu de braquage, quoi. Je pense que j'espère qu'ils vont innover sur beaucoup de choses. Et ouais, j'attends d'en savoir plus personnellement. Je sais pas pour vous.
Si, si, moi aussi, parce que je pense que c'est des gens qui ont un peu de talent et qui ils l'ont prouvé avec leur précédent jeu, qui savent réaliser leur vision et la rendre intéressante. Donc, ce sera certainement mieux que Payday 3. Ah oui, bah ça sera pas dur, effectivement. C'est développé sous Unity en plus, donc ça va être ça sera du coopératif à 4 personnes, ce qu'on n'a pas précisé. Bon. On passe à toi, Shtuka, puisque tu vas nous parler d'Unrecord. Oui, Unrecord qui a lancé la mode des bodycam FPS, c'est sa faute. Envoyer À cause de des lui. emails salés aux développeurs, c'est à cause d'eux. Pouvez le faire en français puisqu'ils sont ils sont Oui, français. parce qu'ils sont français. Donc il est sorti, je ne sais plus quelle est la date, mais il sort Q1 ou Q2 de cette année, là, il me semble. Non, non. Unrecord, il n'est pas Oui. prévu. Il n'y a pas de date de Yep. prévu. Ah, il n'a pas de prévu, mais il me semblait qu'il voulait Non, sortir cette année, mais bon, on non, verra s'ils le non, font pas. non, non, justement. Ils ont sorti le premier trailer en 2023, donc début Ouais. 2023. Et depuis, en fait, ils cherchaient des moyens de financement, d'autres développeurs, etc., pour faire leur vision. Et ils avaient prévu au moins 3 ans de dev en Ah, 2023. d'accord. Bon, bah, on l'attend pas pour 2024, alors. Dommage. Non, on l'attend pas pour 2024, c'est pour plus tard. Mais ouais, vas-y, continue du coup. Ouais, personnellement, moi, c'était le seul que c'est le premier, mais c'était le seul aussi qui m'intéressait dans le genre des bodycam FPS parce que déjà, c'est solo. Je pense que le côté bodycam, ça se prêtera plus à un jeu en solo. Et c'est pas juste un truc à la Call of Duty avec un FOV réduit et du fisheye. Puisque les gunfights en tout cas dans ce qu'ils ont montré, ont l'air plus éparses. On affronte qu'une personne. C'est pas ultra violent, enfin c'est ultra violent, mais c'est pas frénétique. Donc c'est plus immersif. Et puis dans la description, ils parlent d'un côté enquête, etc. Donc je pense que ça peut être une expérience assez cool en solo. Mais bon, bah, s'il sort pas pour 2024, on va attendre 2026 et sagement, et voilà. Ouais, ça sera Effectivement, orienté moi plus je. solo, ouais. Ouais, c'est vrai que la vidéo était vraiment très impressionnante. Il y avait eu même des débats sur YouTube, sur Twitter et tout ça, en disant jamais de la vie, c'est un jeu, c'est un mec qui s'est enregistré en train de faire du paintball, machin. Alors que non, c'est effectivement, c'est du Unreal Engine, fait notamment avec des assets qu'on peut trouver sur le store, puisque je crois qu'il y a une partie de la map, je crois que c'est la même que Bodycam. Et voilà quoi. Après, il y a évidemment, ils ont travaillé sur les textures, ils ont travaillé sur les animations, mais pour leur démo, là, ils avaient pris des trucs déjà tout faits, des assets tout faits, et c'est pas une insulte, c'est pas. C'est normal en fait, quand tu fais un projet, que tu fais un concept, bah tu essayes de montrer en fait ce que ça peut donner avec des trucs déjà tout faits pour pas passer en fait des années rien que pour créer ton concept en fait. Donc voilà. Oui, la vidéo est encore bluffante, Alpha, effectivement. C'est toujours très impressionnant. Alors que ça fait légèrement qu'elle est sortie quasiment. On va passer avec toi, Loulou. Alors, tu veux nous parler vite fait d'Insinction, qui est un Effectivement. des jeux très attendus par FCP, qui n'a pas pu nous Bien joué. rejoindre aujourd'hui. Mais Ouais, bien joué. voilà. Alors oui, on va parler assez rapidement d'Instinction, en fait, qui nous narre en fait une aventure dans un monde luxuriant rempli de dinosaures. Et en fait, nous, on va explorer cet univers. Il y aura des aspects, on va dire, survie et aussi des aspects un peu d'action. Alors, la survie, ça sera surtout là au travers de cette vidéo de gameplay qu'on a vue récemment. Le fait de ramasser des plantes, à mon avis, de pouvoir crafter différents, comment dire, objets. Et également la partie action, parce qu'il y aura également des guns qui nous permettront d'essayer, on va dire, de rivaliser avec Mère Nature, que sont les dinosaures. Bon, je pense qu'après, bon, à part Turok, qui avait fait preuve d'originalité pour tuer les dinosaures, à voir maintenant dans Instinction comment les créatures vont réagir aux armes à feu. Voilà ce qu'on peut dire sur Instinction. Donc, en tout cas, c'est très très beau. Ça on peut pas nier. Ça donne vraiment envie. Maintenant, à voir en termes d'histoire ce qu'il en sera, on va dire. Quels sont les mystères qui entourent ce monde?
qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir, jusqu'où on pourra aller. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est vrai que ça donne envie. On découvre pas mal de choses. Il y aura peut-être aussi de nouvelles mécaniques qui vont se dévoiler au fur et à mesure, mais je pense qu'il y aura aussi, si j'ai bien lu l'avant-dernière news, qu'il y aura des nouvelles vidéos qui vont surtout montrer l'aspect plutôt, on va dire, des combats avec les dinosaures, également aussi avec des humains, et on va dire les mécaniques qui sont liées au démembrement, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Instinction, donc c'est à suivre de près. Alors, il n'y a toujours pas vraiment de date, hormis les précommandes qui sont déjà ouvertes. Voilà. Évidemment. Mais bon, voilà, À donc des prix raisonnables. à des prix raisonnables. Oui, contrairement à plus raisonnable. Et c'est vrai, voilà, donc ben, on attend avec impatience Instinction, donc pour voir ce que ça donne et pour qu'aussi, ben, voilà, on puisse découvrir cet univers avec des dinosaures à perte de vue. Et d'ailleurs, les développeurs partagent régulièrement sur X leurs avancées et sur Steam aussi, leurs avancées sur les différents dinosaures qui modélisent. Avec des visions récentes, donc la plupart avec des plumes. Et franchement, bon, ils savent bien dessiner leur truc, enfin dessiner. C'est un aspect réaliste, donc ça renvoie du pâté. Ouais, Voilà. je pense qu'ils doivent avoir des dinosaures en animal de compagnie parce Bah oui, sans qu'ils doute. connaissent bien. Ouais. Bah, ils ont des bons modèles, ouais, effectivement. Ah si, ouais, Voilà. c'est propre en tout cas. On va rester dans l'ère jurassique hein, avec toi, Matmat, donc qui va nous parler du deuxième jeu que FCP attendait, qui s'appelle Jurassic Park Survival. Oui, tout à fait. On a pu découvrir bah, ce trailer il y a 2 mois. Pardon. Bah ouais, Jurassic Park, voilà, la licence Jurassic Park, tout le monde connaît, les dinosaures, etc. Donc là, on a un gros clin d'œil, hein, de toute façon, au premier épisode, hein, au premier film qui est sorti. Hein, donc on reconnaît vraiment les lieux mythiques, voilà, cette emblématique hall d'entrée, cette scène de cuisine qu'on va découvrir juste après. On verra peut-être en fin de trailer si on zappe pas après, mais on voit vite fait que bon, justement ça va être un FPS parce qu'on en parle, c'est que ça sera un FPS. Pour moi, ça va être, je pense, hein, je crois qu'il y a eu débat aussi sur le forum, mais moi je pense que ça sera plus un jeu action basé survie, survival plutôt, parce que je pense pas qu'on va devoir s'équiper d'armes ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va devoir vraiment la jouer comme le trailer le montre. Voilà, faire diversion, se sauver, se cacher et aller au prochain point et compagnie. Voilà, donc on va peut-être avoir un petit scénario en disant bah écoute, il n'y a plus de courant, on va rétablir, on va à droite à gauche sur la carte. Attention, ne te fais pas montrer. Et puis voilà, je pense que ça va tourner autour de ça. Pourquoi pas, après, si ça respecte bien la licence, moi je dis pas non. Et c'est pour ça que je sais plus avec qui j'en avais parlé, ça m'a fait penser un petit peu à Alien Isolation, mais vraiment dans ce mode, le fait de pas se montrer justement, d'avoir un prédateur à chaque fois qu'il nous poursuit et de faire nos objectifs en se cachant et en faisant des diversions, etc. Donc c'est plus ça en fait qui m'a fait penser à Alien Isolation. Mais ouais, pourquoi pas? Parce que bah voilà, je pense que je suis comme beaucoup de monde, Jurassic Park 1, bah, c'est trop bien. Et ouais, à voir. Franchement, moi je l'attends quand même. Je sais pas pour vous. Ouais. De Bah, même. moi aussi hein, pour voir ce que ça donnera quoi. Après, ce sera peut-être pas fou, mais voilà. En tout cas, il y a l'air d'avoir assez de thunes pour que ce soit beau. Et bon, ouais, on verra, on verra. Ben, ça serait malheureux vu les dollars que ça engendre, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri des fois de voir malheureusement des jeux vidéo nés de franchises cinématographiques qui sont un petit peu Perdu. ramassées, mais bon, là ça semble bien parti quand même. Enfin, ça vend bien en tout cas, ça vend bien Et du rêve, on va dire. on va terminer nos attentes avec un dernier jeu dans notre liste. Alors, il y en a d'autres, on attend plus ou moins, mais il fallait qu'on fasse une petite sélection, on n'allait pas parler de tout. Donc là, on va terminer avec Core Decay, qui est un immersive sim que moi j'attends personnellement beaucoup. Même si on n'en a pas vu énormément pour l'instant. Donc c'est un immersive sim qui fait beaucoup penser à System Shock, notamment le remake, parce que moi j'ai pas vu au premier System Shock, donc je peux pas vous dire globalement. Mais en tout cas, ça fait penser au travail qu'avait fait Night Dive sur le remake de System Shock.
Donc, comme pour les autres immersive sims, on a plusieurs approches possibles, soit à la mode bourrin, soit en discrétion totale, ou soit en discutant avec les gens pour essayer de trouver des renseignements, etc. Voilà, visuellement, c'est plutôt pas mal, hein. C'est du rétro, mais pareil, avec des petites touches de moderne. Alors, c'est un seul mec, je crois, qui développe ça. Il était employé par 3D Realms, mais il a été licencié récemment, puisque 3D Realms fait aussi partie du groupe Embrasseur. Cependant, le gars a dit, ça change rien, moi je continue à développer mon truc. Et Apogee, qui est un autre éditeur revenu d'Outre-Tombe, je ne sais plus ce qu'ils éditent actuellement, mais en tout cas, ils ont dit, s'il y a besoin de thunas, on est là, mon gars. Voilà. Qui est une très bonne nouvelle, donc c'est-à-dire que on n'est pas les seuls à attendre Cordiquet. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Non, ça a l'air pas mal. Ouais, ça me fait penser, hein, tu vois 3 secondes de gameplay là, tu te dis putain, System Shock Remake, quoi. Vraiment. C'est. Ouais, un petit peu, un moins poussé graphiquement quand même, Oui, parce que bien sûr. System Shock Remake Bien est très sûr. très beau. Mais ouais. Ok. Ça donne envie en tout cas. Donc Ok, là, bah c'est ce je que tu avais crois dit, hein. Les que. mises immersives sim, de toute façon, maintenant, faut les attendre surtout chez les indés. Et c'est cool C'est qu'il y ait des ça. mecs comme ça qui reprennent le flambeau. Mais du coup, Tout à fait. il sera plus édité par 3D Realms alors. En C'est ce théorie, que j'ai oui. compris en tout cas. Bon, tant mieux. Ouais. Bah après, le problème qu'à chaque fois, il y a une sorte de souci, on va dire, c'est vrai que les pages team ne sont pas mises à jour. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas, en fait. Parce Ah que c'est oui, vrai bah, c'est toujours qu'officiellement, sur la. écrit ça. Voilà, c'est ça. Ok. C'est comme d'autres jeux où. Enfin, je fais vite. Dont les studios ont fermé, et pourtant, la page de Steam me dit toujours que c'est tel éditeur et tel développeur, alors qu'en fait, ils n'existent plus, quoi. Oui, C'est aussi. tout. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, il a dit qu'il continuait le développement. Donc Bah voilà. oui. Après, ça, il y a peut-être aussi une question de le temps de récupérer les droits, etc. Bien Mais en tout cas, sûr. c'est lui qui a les droits. Parce que c'était ça aussi. Le mec qui développe son jeu en solo, même s'il est édité par 3D Realms, mais si c'est 3D Realms qui a les droits du nom du jeu, eh ben, il a dans le cul, en fait. Mais sauf que là, Ouais. non. C'est bien lui qui avait les droits sur le nom du jeu et sur le jeu. Donc, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc il a lu son contrat avant de signer. Lui. Effectivement. Effectivement, ouais, Ouais. contrairement à cet employé chez Blizzard qui Ouais. racontait sa mauvaise expérience dont j'ai parlé cette semaine dans les news. Je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse. Et bien voilà pour les attentes 2024, globalement, et 2024 et plus tard, puisqu'on a parlé de Unrecord qui sortira sans doute pas en 2024. Je vous propose de faire un petit quiz. Puisque on a pensé à une idée, en tout cas, a eu une très bonne idée cette fois-ci, normalement. Et on va essayer de vous proposer ça. Alors, Matmat, est-ce que tu es prêt pour. Non, et tu peux meubler un peu là, aller faire caca tout le monde. Ah ouais? Non, non, mais je pense Ouais. que je suis en train Tu de. viens littéralement d'envoyer les gens chier là. Allez, allez, allez donc chier. Ouais, non, mais si vous voulez faire une petite pause pipi, c'est le moment, les mecs. Mais Non, est-ce que mais tu peux lancer le jingle déjà? Ouais, Peut, et puis après, comme ça, je vais essayer de lancer j'expose le le truc. jingle. Alors, attendez. Ouais. C'est le Ouais. Faut que tu me quiz, c'est le préviennes quiz, quand c'est tu le lances et après. Voilà, le jingle est lancé. Je pense qu'on l'a tous vu. Ouais, voilà, c'est Effectivement, super. Ouais, c'est juste bon, que bah, bah la prochaine fois, tu sauras, mais les noms les étaient noms ils au sont premier dessus. Bah plan. écoutez, vous Mais savez bon, quoi, c'est je vais le pas refaire. grave. On va Ça le refaire. arrive. C'est le quiz, Allez, c'est le quick second try. quiz. Voilà. Ah, c'était superbe. Pardon. Donc, le thème de ce quiz, c'est la météo de merde. Voilà, c'est Joli. une idée originale de Shuka qui était très très bonne. Donc, on On a sait pas cherché encore. des. Non, bah, moi je trouve que l'idée est bonne, déjà. Donc, on a cherché des images de météo pas ouf et il faudra retrouver de quel jeu c'est tiré. Alors, des fois, c'est très facile parce qu'il y a le HUD. Vous allez être mis sur la voie très rapidement. Et donc, voilà. Après, bah, écoute, tu nous dis, Matmoit, quand tu es disponible. En attendant, Encore une je sais minute, je pas. pense. Encore une Encore minute. une minute? Oui. Une minute, d'accord. Alors, bah, je vais parler. Parle-nous de la météo chez toi, parce que peut-être qu'il fait pas trop dégueulasse chez toi. Oui, parce que je sais pas si vous le savez, les gars, mais Loulou habite La Réunion. Donc, Oui. alors, peux-tu nous parler Alors, de la météo que tu as chez toi en ce moment, Loulou?
Alors, vu qu'on est en plein été tropical, ce qui est bien, c'est qu'il fait chaud, mais également parfois le temps est couvert. Donc, ce dimanche, on va dire, c'était un petit peu gris. Bon, on n'a pas eu de pluie. Au moins, ça c'est cool, ça permet au moins de sortir. Mais c'est vrai que ces derniers temps, malheureusement, ouais, le temps est un peu maussade, c'est pas terrible. Hein. Ça fait un peu triste. Bon, enfin, après, sinon, bah, c'est l'habitude. Hein. Après, on a eu pas mal de pluie hier. Ça a permis d'éviter d'arroser le jardin, même si j'en ai pas de jardin, mais voilà, ça rafraîchit un petit peu. Ce qui est bien aussi avec la pluie, c'est que notre cher ami les moustiques ont des flaques d'eau pour pouvoir se reproduire. Donc du coup, le soir, on se fait bouffer par Yeah. les moustiques. C'est génial. Bon, après, il y a là quand même la moustiquaire, mais ça n'empêche que le problème, c'est que quand le moustique est déjà dans la maison, comment tu fais pour le faire sortir quand tu as déjà la moustiquaire qui est en place? C'est un débat. Mais voilà, sinon, bah, ça va. Le temps reste agréable. Il fait très chaud. Je me suis chopé un sacré coup de soleil. D'ailleurs, je me demande pourquoi je m'embête à mettre des écrans total. Indignité, quoi. Ah non, mais c'est ça. Je mets des écrans et pourtant, je cuis comme pas permis, quoi. C'est hallucinant. Ouais, on nous demande à ton fuseau horaire, là, t'es en GMT moins combien, plus combien? Ouh là Putain, là, je crois. Oh là c'est là. plus. Là, je suis 3 par rapport à vous, parce que, comme je dis, là, j'ai 3 heures de plus, parce que là, vous êtes encore sur la période d'hiver. En heure d'hiver, ouais. Puis quand. Voilà, puis après, quand ça sera passé, on aura une différence de 2 heures. Voilà, c'est du GMT plus 4, 3. c'est ça, Ouais, plus hein? 4, voilà, c'est ça, plus 4, ouais. GMT plus 4, Voilà. ouais. Ouais. Alors moi Alors, voilà. j'ai une question en Oui, personnel. vas-y. Oui. Le loup, est-ce que tu es en tong actuellement? Non, je suis pieds nus. Ah, ok. Ok. Pourquoi? Ah, c'est comme Non, ça. vous avez... Comme ça, comme ça. Donc Oh, nous ça qui va, sommes en Mozambique. charentaise, nous on a des grosses pantoufles et le mec est pieds nus, quoi. Ok. Il y a Allez, Nio qui tranquille. nous dit Bah, en... que tu meules vraiment bien, Loulou. Moi, je pense qu'il faudrait faire une radio, Loulou. Radio Loulou. En stream C'était pas régulièrement. mal, hein. Et je pense qu'il y a Bah... les mecs de la météo de Jean-Louis Baudin qui présente sur RTL. Je pense que tu peux lui envoyer un CV. Je pense que ça va le faire. Voilà. Après, si vous voulez, je peux parler autre chose que du temps. Hein. Moi, par exemple, ce week-end, je me suis cassé le cul à nettoyer les phares de ma voiture qui étaient brumeux comme pas permis. Je me suis fait sacrément mal aux mains parce que j'ai pas de, comment dire, de ponceuse entre guillemets, de ponceuse spéciale pour lustrer les phares, donc Ah, tout à la main, donc c'est le génial. polish. Le polish, voilà. Merci. Donc c'était génial. Donc je me suis j'ai sacrément mal aux mains parce que comme il faut le faire manuellement, c'est génial. Heureusement que le produit est très efficace. Hein. Je tiens à Ouais, faut pas mettre remercier du pour sif. ça. Hein. Non, mais Voilà, ouais. tu dois lustrer les phares de ta bagnole, mais t'es une voiture des années 50, comment ça se Non, passe? non, c'est simplement qu'à un moment donné, je ne sais pas si enfin, ça le fait souvent chez vous, c'est que moi, les phares, au bout d'un certain temps, on va dire, il y a cette espèce De voile? de voile, voilà, opaque qui se met dessus, et on va dire, bon, Ah, bah, c'est les je ne sais pas si. moustiques. Ah, peut-être, C'est hein, c'est forcément. sûr. C'est les moustiques qui se vengent, en fait. Hein. Vo voilà. Bon. Est-ce que c'est bon, Matt, est-ce que tu nous as. Est-ce que tu as terminé? Ouais, c'est bon. Vraiment, ça va. Ok. Là où le sel. Je vais juste mettre une capture d'écran. Vas-y. Voilà. Je vais capturer sur Capture quel tout là. écran? Celui-là, ouais. Celui-là, c'est pas mal. Et on va ouvrir. C'est un bel écran. C'est mon écran basique. Désolé les mecs, j'ai pas eu le temps de, voilà, de faire quoi que ce soit. On s'en On fout. laisse tout ça. On s'en fout. Je vais remettre la première photo. Ensuite, voilà. Je sais pas si tout le monde la voit. Ouais, Ouais. magnifique. Allez, c'est Allez parti. les gens, Donc c'est là. quel jeu? Ouais. Trop fort. Et c'est Nio qui commence avec Battlefield 2042. Effectivement, c'est la tornade. Bon, on a bien reconnu avec l'interface hein, que c'était Effectivement. Battlefield 2042. Ah bah c'est... Stuka, tu prends les tu notes les gagnants, c'est Ouais. possible. Ok. Alors, let's go pour la deuxième. Être un petit peu plus dur, peut-être. Alors, Alors ce n'est pas non, non, Portal, non. ni Ah ouais, moi ça dit quelque Cryostasis. chose, moi. Ouais. Non, Ce n'est ça pas c'est Hitman 4, parce que Portal. Hitman 4 n'est pas un FPS, et Ah oui, c'est effectivement. Casterbuck qui a trouvé, c'est donc Dark. C'est bien ça, hein, je ne suis pas trompé. Ouais, c'est C'est ça. ça.
Ouais. Ok. Effectivement, c'était pas une idée de merde parce que les gens trouvent, contrairement aux quiz musicaux, où c'est tous nuls. Après, souvent l'interface aide beaucoup. Ouais. Oui, donc The Long Dark, FPS, bah, FPS, jeu, gros jeu de survie, pas mal d'ailleurs. Dans le froid. Dans le froid. Dans le nord, limite Alaska peut-être, ou Canada, je sais plus. Ouais, dans le Canada, je crois. Ouais. Hein. Allez, au suivant. Alors là, c'est un peu Attendez, je vais moins juste. froid, a priori. C'est raté, Gotax. Et Nio, deuxième point. Ah, effectivement, on voyait le titre, en fait. On Ouais, voit c'est le pour ça. titre. En fait, j'essaie de mettre en plein écran. Je sais pas si on peut là-dedans. Ah ouais, oui, je vois ce que vous voulez dire. Ah, tu sais, sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu mets la fenêtre. Tu mets, au lieu de mettre tout ton écran, tu choisis la source comme la Ouais, je vais fenêtre faire ça. Je vais faire et ça tu parce qu'il y a des rognes. petits malins là-dedans, là, dans le chat. Ouais, mais Nio a reconnu Metro Exodus. Effectivement, si tu as fait Metro Exodus, de toute façon, tu reconnais quand même assez facilement. Mais ouais. Alors on se voit. C'est par photo, est-ce que ça marche? Alors non, faut pas que tu mettes photo, faut que tu mettes une appli, faut que tu mettes une fenêtre et que tu choisisses Explorateur Windows ou non logiciel photo quoi. Ouais, bah j'ai. Je suis dans photo. Je sais pas si ça marche. C'est capture de fenêtre qu'il faut faire. Capture de fenêtre et ensuite tu. Ah ouais, on se voit. Ah désolé, on a oublié de préparer ça en amont. On s'est dit ah merde putain le quiz. Et puis on avait déjà lancé l'attente. Donc Comme ça, tu nommes les fichiers 1, 2, 3, 4, etc. C'est Ouais, bah je vais exactement faire ça, ça, ouais. Pas de attendez. problème. Je vais juste faire ça, renommer, ça sera plus vite, ça ira plus vite, ouais, ça ira Ouais, mieux. c'est rapide, effectivement, t'as raison. C'est normal que le quiz a pris un petit peu de temps parce que c'est vrai qu'à chaque fois, bon, on vous prépare des quiz, on vous propose de gagner des jeux, mais personne ne les veut. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le quiz, on l'a laissé un peu de côté aussi. Hein. Vous Et c'est vrai, on a. vous êtes pas sympa avec nous, hein, on vous offre des jeux de qualité. On se Ouais, démène on pour vous faire le offre quiz, c'est Kingpin peut-être quand pour ça. même, putain, merde. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, on va vous rappeler les noms des jeux qu'on peut vous offrir à la fin. Ça, c'est la surprise, quoi. Ça se trouve, il n'y a que des jeux de merde. Mais Non, après, rien ne il vous y empêche a Witchfire de déjà. prendre. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a toujours Witchfire. Ouais. Non, mais il est Mais pieds nus, Gotax, t'as pas compris. ouais, c'est pas grave. Non, mais par contre, ce que vous pouvez faire, si même le jeu ne vous intéresse pas, vous pouvez le garder et l'offrir à quelqu'un que vous aimez pas. Ça aussi, vous oubliez. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire non des fois. Hein. Vous savez pas, hein. Vous pouvez C'est vrai, prendre la c'est vrai, clé. c'est vrai. C'est peut-être pas pour vous. Hein. Faut Ouais, pas juste voilà, fourcher des jeux de merde. c'est bientôt la Saint-Valentin, là, donc si vous n'avez pas dit le cadeau, paf, C'est vrai, une petite mais clé c'est pour un jeu de vrai. merde. Bah Alors, écoutez, moi c'est bon pour où en moi. es-tu, Matpat? Ouais, c'est C'est bon, bon pour moi, allez, ouais, let's c'est go, bon hein, pour vas-y, moi. continue. Let's go. Allez, on y va, c'est parti. Je vais essayer de mettre la petite musique. Ah, il y a une petite musique en plus? Ah, c'est une musique de merde. Ah, d'accord. Ok. Ça Ah, devrait ça va, pas ça. traîner non plus. Bon, une interface doit beaucoup aider aussi. Ouais. En fait, ouais. Il n'y a plus personne qui répond. Non, tout le monde est mort. C'est dur. Truc de Ce Cobalt truc des de ouf. sorcières, c'est presque ça, Gotax. Ils avaient Ouais, hésité c'est vrai que à c'est. nommer ce jeu comme ça. Ouais, je crois. Ouais. Allez, c'est bon. Envy 44 a C'est trouvé. Envy Envy, 44, ouais, Victor de Unshowdown. Envy, Unshowdown. Effectivement. Effectivement, Mais ouais. je crois que ouais, c'est Souls la ou branche française qui Frangine. avait proposé un truc de cow-boy avec la sorcière, mais finalement, Crytek, bon, qui est allemand, comme tout le monde le sait, s'est dit ah, je suis pas sûr. Et du coup, ils l'ont appelé Unshowdown. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Allez, est-ce que tout le monde est prêt à taper Ouais, sur le vas-y, clavier? continue. Ouais. Ah, ça allait vite, c'est ça que tu dis? Allez, on est prêt, c'est parti. Est très très beau. Alors là, on va voir Oh s'il y a des là influenceurs sur le. là. Ah bah ouais. Ouais, Envie Envy 44 44, est c'est sans doute ça. un Squeezie first, Ouais, je pense qu'il est puisque abonné à la chaîne de Squeezie, c'est sûr. C'est sûr. ouais, voilà. Ah ouais. Ok, très très bien. Ouais, là c'était difficile effectivement, puisque personne à la rédac, si,
à tester déjà dans la compagnie. Je viens d'y jouer récemment, dit-il. Mais est-ce que tu as un peu honte quand même ou pas? C'est un peu nul quand même, à vous. En tout cas, il y a joué suffisamment pour reconnaître le screenshot extrêmement vite. Et ouais, est-ce que t'as. Ouais, voilà, on voulait juste sortir un peu du quiz. Est-ce que. Drôle pour une soirée ou deux. D'accord. Voilà, comme ouais. Mais Très bien. t'en. Ou deux, mais pas trois, tu vois, je pense. Mais on veut se rassurer, quoi. On dit, mais Si ton pote, là, c'est pas on joueur passe du à côté d'un. grenier, Antoine Daniel et Ouais. Squeezie, voilà. Si c'est pas eux tes potes, je pense que. Ah, voilà. Ok, d'accord. On continue le quiz, peut-être. Allez, on continue le quiz, c'est reparti. Je voulais juste Ça, c'est savoir. pareil. Ah, c'est la même, ouais, Voilà. effectivement, avec du blanc en plus. Alors là, par Alors contre, là, bon courage, les gars. moi, je l'ai trouvé tout de Ah suite, celui-là. ouais. C'est vrai? Ouais, parce que je. Ouais. Et non, c'est pas cultique. C'est pas du tout rétro FPS. Hein. Cotex, Alors, il il y s'est dit on a voit un. rien. Ah, c'est quel rétro FPS on voit rien, c'est cultique. Vas-y. Non, non, non. C'est un. Non, c'est pas The Forest. En fait, il y a un indice. Mais si vous n'avez pas fait le jeu, effectivement. Non, parce que. Mais Ah, le Velouz, en mec fait, je n'est pas crois qu'il un connaît rétro pas le FPS. principe. Il connaît pas le principe de Naufrag. C'est le deuxième jeu qui n'est pas un FPS qui cite. Jamais vu. Mais ouais, peut-être que vous n'avez pas bien regardé aussi. Il y a un petit indice au premier plan. Ce n'est pas un Sur la essuie-glace. gauche. Ouais, ce n'est pas un essuie-glace. Ouais. Non, c'est pas Crazy, c'est pas Starfield. Ah, ça pourrait, mais non, Ah. c'est pas Starfield. Ouais, Bah, effectivement, c'est générique, quoi. c'est. Ouais. En fait, même si j'avais fait le jeu. Ah, là, ce n'est plus l'image. Ouais, voilà. On a effectivement un casque de cosmonaute. Ce n'est pas Alien. Windows 11. Ouais. C'est un jeu qui est très joli. C'est très très beau. Il est sorti. Non, il est sorti en 2023. Je ne sais plus quel mois, mais peut-être octobre ou novembre. Même si Isolation, Alien Isolation, t'as un passage à l'extérieur à un moment en scaphandre, je crois que c'est les premiers dans la première heure de jeu qui Alors, peut, on va dire, ressembler c'est à ça, Foya même. qui a trouvé. On va dire que c'est bon, même s'il n'y a pas le de devant. C'est bien The Invincible. Que Koya a trouvé. Effectivement. Donc c'est une partie où il pleut. Il pleut très fort. Et donc là, en fait, on voit les gouttes qui ruissellent sur la visière. Voilà. C'est un walking sim, effectivement. Pas du tout un immersive sim. Non, Walking Sim, ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié le scénar pas mal et visuellement très très beau. Très très beau. Ah, c'est vu brièvement, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est la prochaine image maintenant. Sorry, sorry. Alors là, il fait très froid, a priori, sur cette image. On voit une cabane avec un petit peu de neige et Nio a trouvé, effectivement, c'est Sons of the Forest. Ouais, mais en Qui hiver, parce que ça en peut, ça hiver. pouvait prêter à confusion. Effectivement, il est très beau, effectivement, lui aussi. Et il y a les quatre saisons qui viennent, qui sont censées changer le comportement des ennemis et aussi le gibier, tout ça. Voilà. Je ne me rappelle plus très bien en Et hiver on peut comment même ça se présentait, mais. apercevoir la fille à trois jambes et trois bras à côté du piquet, juste à côté de la Ah, cabane. c'est elle là? Ah D'accord, ouais, c'est elle, ok. ouais. Alors, je t'avoue que c'est pas la meilleure image que j'ai trouvée de Son of the Forest. C'est Allez, au suivant. Tout le monde est prêt? parti. Alors là, Je me suis je fait pense. insulter tout à l'heure, donc ah Ouais. voilà, quand même, ça allait vite. Je crois que Koya a trollé. Hein. C'est pas possible de dire allô quand on voit ça. C'est bien Stalker. Bon, on Il a dit accepte allô. même s'il n'y a pas tout, même s'il manque pas les points. Ok, ouais, c'est bien Stalker. Mais non, il fallait C'est rajouter si moche Shadow que of ça, Chernobyl. Stalker. Bah, c'est un jeu qui est sorti en 2007, hein, je te rappelle, Belzar.
C'est pas tout jeune. Et avec les mods, c'est quand même pas mal maintenant. Le vieux Belzaran. Ouais, mes souvenirs en prennent un coup, effectivement. Juste un truc, Matmot, souviens-toi que on s'arrête à 10 et on regarde s'il y a des égalités. D'accord. Et ça fait combien là? Je sais pas. Ah bah attends, je vais compter. Ouais, je veux bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 2, messieurs. Oui. Bah, en fait, on s'arrête à 10, on voit s'il y a quelqu'un qui gagne ou pas. Et s'il y a encore des égalités, on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'égalité. Pour l'instant, c'est Nio qui est en tête avec 3 points, suivi de Envy44, celui qui joue au jeu de streamer, qui a 2 points. Ok. Celui qui jouait. Ah, vas-y. Il l'a mérité, il l'a cherché. Allez, allez, vas-y. Vos claviers, messieurs. Il faut que tu changes l'image. Ouais. Alors, c'est un jeu où il n'y a que Matmot qui l'a aimé. Ouais, je pense. Redfall, non, personne ne l'a aimé celui-là. Ghost Hunter, non. Attaque des saucisses géantes, je ne crois pas que ce soit un FPS. Je ne crois même pas que ce soit quelque chose qui existe. Alerte au Google. Voilà, ou 2024, ça n'existe pas non plus. C'est un jeu qui a été fait par une rockstar des jeux de survie. Ouais, ce n'est pas Void Train. Petite rockstar. Oui. C'est un peu... Ouais. C'est un jeu où on est obligé de les ours. Fabriquer de l'oxygène parce qu'on ne sait pas respirer. Et c'est entouré de biches et d'ours et d'un truc qui respire. Sans masque. Ouais. Alors que nous, on ne sait pas. Et on peut. Et bravo, Kurama. Ah bah oui, mais lui, il arrive, il triche, Kura. Ah, il triche. Bah, c'est non, juste qu'il a joué avec toi. Donc, La deuxième personne qui a parce aimé que c'est jeu, mon poulain. Ça. C'est mon poulain. Merci, c'est bien joué. Ouais, quoi. Ça. On peut applaudir. Hein. Jouer. Ouais, c'est possible, je crois que Nounours avait dû streamer peut-être avec Ruta ou je sais pas. Ouais, vas-y, on change. Donc pour le dernier, on va dire la dernière officielle. Donc c'est de la pluie. C'est Koya qui a trouvé. C'est Cyberpunk. Effectivement, Cyberpunk 2077. Allô, j'ai perdu. Non, c'est bon, on t'écoute. C'est bon, ok. Pierre Koya. Ouais, bah du coup, on a terminé avec. C'est Nio qui remporte. C'est Nio qui remporte avec 3 points. Ok. Devant, donc, Envy 44 avec 2 points et Koya qui doit avoir 2 points aussi. C'est ça ? Oui. Ok. Alors, pour le fun, ça ne va pas compter, mais parce que c'est Nio qui a gagné. On peut quand même faire les dernières, hein, parce qu'on ne s'est pas emmerdé pour rien à trouver les images. Ce serait dommage. Allez. Allez, vas-y. Il nous a pris que 20 secondes. Ouais, mais bon, ouais. Alors là, c'est pareil, ça va être facile avec l'interface, mais avouez que le temps est bien dégueulasse sur cette image. Alors, c'est Crysis, mais lequel? Le 1, le 2, Gotax, le je vais 3, te ban. Le remaster. C'est Crysis 3, effectivement. Koya a bien raison. Bravo. C'est le 3. Bah vas-y. Hein, allez, et le dernier, ultra dur. Ultra allez. Dur, je vous préviens, c'est ultra dur. Ça sent un point d'ironie. Et il faut l'écrire entièrement. Sans faute. Ah, il faut l'écrire entièrement. Ah. Et voilà. Envy, ah, Belzen. Parce qu'Envy, il a ripé le clavier. Ah oui, il a ripé, ouais. C'est parce que c'est un joueur manette, il n'a pas l'habitude, c'est sûr. Pour avoir écrit à la mettre, ça va, c'est rapide. Ouais, c'est bien. Escape from Tarkov. Ouais, là, peut-être que pareil, hein, on aurait pu ne pas avoir l'interface. ouf, il a bon goût. Juste les clés qu'on peut offrir. Je vais vous lire ça vite, rapidement. Bien, pardon. Hop. Je ne trouve plus les clés qu'on veut offrir. Alors, Estia. J'ai... Ah si, c'est bon. On a toujours un jeu VR qui s'appelle Dead Hook. Voilà. On a... Dead Hook, c'est Doom, mais en VR, c'est ça ? Ah ouais, un genre de Doom en VR avec un grappin.
On a DLC Spearhead, Spearhead, 1944 pour Arma 3. Donc, il faut avoir Arma 3. On a également Witchfire, donc, qui est un accès anticipé, qui a été élu le meilleur accès anticipé 2023 par la rédaction, parce qu'il est vraiment très très bien. Voilà. On a toujours Forgive Me Phaser 2, qui est aussi un accès anticipé que Loulou, je crois, t'avais bien aimé. On a Bloodhound, qui est un jeu de merde. Voilà. On a un autre jeu de merde qui est Kingpin Reloaded. Et on a également Avatar Frontiers of Pandora. C'est un très beau jeu, mais un peu chiant. Voilà. Moi, je pense donc, n'hésitez pas. Je vais peut-être refaire une petite liste que je vais mettre dans le chat pour toi, Nio. N'hésite pas à nous contacter. Excellent choix, Nio. Ah, il a dit quoi? Il a dit Witchfire. Très très bon choix. Ah bah, très très bien. Ouais, bah, je t'envoie un PM avec la clé directement sur Twitch, ce sera plus simple. Dispo sur le, l'Epic Game Store. Ouais, c'est sur les, l'Epic Games. Ouais, voilà. Enfin, ouais. On se débarrasse de Witchfire. Enfin, c'est, alors, on se débarrasse. Enfin, vainqueur de bon goût. Ouais, enfin, ouais, c'est le premier vainqueur de bon goût depuis qu'on a la clé, donc depuis qu'il est sorti, quoi, globalement. Donc, ça fait 6 mois presque qu'on a des vainqueurs qui ont mauvais goût. Quoi. Voilà. Parce que tout le monde sur le frag a déjà acheté Witchfire. Ah, peut-être, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Alors, attends, je ne sais pas comment. Je suis tellement nul, je ne sais pas comment écrire un message privé. Je crois que c'est là. Non, je ne sais pas. Ah non, tu as bloqué, je suis désolé. Bah, Nio, sinon, viens me parler sur Discord. Ou accepte le fait de recevoir des messages. Ouais, voilà, tu feras ça, je te répondrai quand on aura terminé l'émission, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant qu'on a terminé les quiz, eh bien, on va pouvoir continuer notre petite émission avec donc notre deuxième dossier. Je regarde l'heure, ça va, on est assez large. Avec le dossier qui est les démos du Simiofest, évidemment. Comment on commence? Est-ce qu'on commence en fait dans l'ordre dans lequel c'est écrit dans notre article, ouais, et puis on discute? Ouais. On peut faire ça, ouais. Ok, bah let's go. Bah écoute, commence par toi, Matt, parce que on va commencer par parler d'Abiotic Factor et tu as pas mal joué à Abiotic Factor. Ouais, j'ai pas mal joué à Abiotic Factor. Je vais essayer de vous montrer un peu de gameplay si non ça marche pas. Attendez, bah, je reviens là du coup. C'est le quiz. C'est pas le quiz, pardon. Alors attendez, pourquoi ça marche pas? Je peux pas faire ça. Bah attendez, je refais ça. Un instant, messieurs. Ça va venir. Je peux présenter vite fait Abiotic Factor. Ouais. Pendant ce temps-là, c'est donc un jeu à direction artistique donc rétro, mais très 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 inspiré d'Half-Life. Avec beaucoup de références, avec des personnages qui ressemblent à Half-Life, des ennemis qui ressemblent un peu à Half-Life aussi, même des objets, des choses qui font que tu as vraiment l'impression que c'est dans l'univers d'Half-Life. Mais par contre, c'est un jeu de survie, globalement. Et voilà, tu pars explorer, tu lootes des trucs, tu craves des machins. Tu peux même changer d'univers pour aller voir tes copains, les aliens. Et eux aussi, ils viennent te voir dans ton monde. Voilà. La démo est dispo. J'ai passé entre 4 et 5 heures dessus, sur une démo. Donc, j'ai vraiment apprécié. Donc, bah, déjà, l'inspiration de Half-Life 1 est bel et bien présente. Partout, en fait, vraiment, dans les personnages, dans les monstres, dans le décor. Tout est là, on sent vraiment l'inspi éventuellement vraiment... tu peux peut-être l'avancer un petit peu parce que là, ouais, c'est juste la création de personnages. Mais monte un petit peu plus loin comme ça tu verras. Donc en fait ouais, ça, c'est vraiment 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 un jeu de survie, donc c'est coopératif, c'est jouable jusqu'à 6 joueurs et justement vous allez devoir user de votre cerveau pour pouvoir vous sortir de là, parce qu'on est dans un complexe où se passent des événements, on va dire
vais pas dire paranormaux, mais les extraterrestres ont envahi quoi, ouais, la les base. Les extraterrestres, ouais, voilà, il y a des portails qui se créent où on va aller dans d'autres endroits, d'autres lieux. Et donc on va pouvoir vraiment utiliser, bah, je vous dis, notre cerveau et nos compétences. Ça se rapproche un petit peu de Project Zomboid, mais en FPS. Je sais pas si vous avez connu Project Zomboid, mais c'est vraiment un jeu où on va devoir augmenter à chaque fois qu'on va faire quelque chose. Attention, on tape, bah, on va augmenter notre force. À chaque fois, si à force de faire... de construire telle chose, on va augmenter notre spé en construction. On a toute une partie skills qui est vraiment vraiment poussée. Et admettons, on va porter une toque de chef, donc on va monter en compétence cuisine, on va avoir une armure, on va avoir d'autres compétences et compagnie. Franchement, c'est vraiment pas mal. On n'est pas des gros militaires armés jusqu'aux dents, etc. Mais justement, on va devoir user de ça et pour avancer. Admettons. Les petits ennemis, on va devoir fabriquer des petits sachets pour les attraper et seulement après des filets, quoi. Des filets, ouais, voilà. Et seulement après les attraper et puis les péter à coups de savate, à coups de pied dans la gueule. Mais après, j'ai à force de jouer à ça, ouais, j'ai pu créer une arbalète à partir d'un pied, d'une chaise de bureau, d'une agrafeuse et puis des stylos et puis des élastiques, bien sûr. Mais ouais, franchement, c'est vraiment bien foutu. Je pense que jouer en coop avec ça, ça peut être vraiment pas mal. Par contre, ouais, il faut aimer le style rétro. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là, on va glisser normalement. Attendez, je vais essayer de revenir pour vous montrer vite fait sur cette image. Hop. Le fait de voir glisser, voilà, les objets qui te génèrent une recette. Gros, en fait, le cerveau. Et on va devoir, pour fabriquer justement la brique d'énergie, on va devoir glisser le clavier donc couleur dorée avec les bouts de plastique sur la couleur. Et on va devoir chercher la bonne combinaison justement pour fabriquer chaque chose. Et ouais, ça fait un peu MacGyver. Et c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment cool. Et il faut gérer bien sûr la fatigue, la faim, la soif, les petits coins aussi. Et puis il faut absolument aller faire caca, c'est très important. Et non, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Ça fait très c'est du jeu de survie, mais voilà, on peut passer dans les considérations. Il y a plein de cachettes, il y a plein de secrets, d'endroits à visiter, à voyager. Franchement, c'est vraiment cool. Ça se prend pas au sérieux aussi. C'est très c'est plutôt humoristique et tout. Ouais, c'est ça. Sympa. Bah, même si c'est pas le même genre de jeu, tu vois, quand tout à l'heure on parlait de Lethal Company, tu vois, c'est vraiment plus le jeu qui me botte par rapport à Lethal Company, même si, tu vois, c'est quand même jouable à plusieurs. Mais ça va vraiment, je pense que ça marchera, ça, ce jeu, c'est sûr. Ok. Je vais remettre un peu de... Ok. Ouais, c'est ça, on voit un peu de gameplay, je vous dis, là, au niveau des traits, donc les traits de caractère, bah, à chaque fois, si on prend ces traits-là, donc soit on est plus fort, on peut avoir plus de force, plus de résistance si on mange la nourriture avariée, et donc on a des bonus et des malus, et puis après justement il faut équilibrer pour arriver à un équilibre de points avant de commencer. Ok, on avait testé ça, je sais plus si on était en stream tous les deux, mais en tout cas toi tu l'as streamé. Ouais, je l'ai streamé un soir, un peu tard, après je ne sais plus quel jeu. Ouais. Et ouais, on s'était bien marré. Moi, par exemple, je suis pas trop fan des jeux de survie, mais enfin, déjà à plusieurs, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et puis, ouais, non, c'est quand même assez rigolo. L'univers, franchement, la DA est plutôt pas mal. Ouais, bah, c'est ça ce que je disais, Nio. C'est vraiment, ça ressemble vraiment. Pour moi, c'est du Project Zomboid, mais en FPS. Project Zomboid que j'ai beaucoup aimé, hein, après. Ça m'a fait vraiment penser à ça. Après, c'est pas le même univers de zombies, etc. Donc ouais, c'est dispo, ça sera dispo au mois de mai, début mai 2024, le 2, plus précisément. En accès anticipé, il me semble. Non, Je pense pas. Ah non, on va s'en finir. D'accord. C'est pas précisé, en fait, on sait pas si c'est vraiment une sortie. En général, du coup, si c'est pas marqué, c'est que ce sera en version. Ok, on passe vite fait à Bane Murrain, qui est un rétro FPS en self-shading que j'ai testé. J'ai trouvé ça finalement assez moyen. Donc du coup, je ne sais pas si on va trop s'attarder dessus. Par exemple, là, ce qu'on voit en vidéo, là, c'est quand c'est les mitraillettes, là, en fait, on ne voit rien.
C'est complètement con. C'est merdique pour ça. Sinon, les armes, ça va, elles ont une file assez intéressante. Enfin, c'est correct, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Franchement, vu la pléthore de rétro FPS qui sortent, je pense que ça ne vaut pas le coup. Voilà. Mmh. Donc, globalement, c'est ça. Vs Space, je sais que tu as testé, MatMat, toi aussi. Ouais. On a essayé de tester un petit peu toutes les... Ah oui. Je commentais en même temps que tu jouais. Tu commentais un petit peu. Ouais, franchement, j'ai pas... Pour moi, c'est du Serious Sam. C'est un mélange de Serious Sam et un FPS que FCP avait testé. Inspiré de Rick et Morty, je ne sais plus le nom. Oui, Life. Oui, ouais. C'est ça. Et donc, Ain Life pour la partie décor. Déjantée. Ouais, et puis la partie déjantée. Après, la partie aussi ennemie, comme ça, les vagues d'ennemis, ça fait un peu penser aussi à Serious Sam. Mais ouais, j'avais pas trouvé ça transcendant. Vraiment, la démo m'a pas vraiment plu. Je m'attendais à plus fandard ou mieux fait, on va dire. Mais ouais, je sais pas, les sensations étaient pas là en termes de. Ouais, c'est un peu bullet hell aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de boulettes qui arrivent, il faut les éviter, etc. Bon, ouais, pas fou. La DA est très réussie, par contre. Enfin, c'est bien propre, enfin, c'est joli. Mais bon, après, il faut aimer, quoi. Mais, ouais, c'est parti. Casmalfir, est-ce que Loulou ou Shtuka, vous avez des choses à dire là-dessus? Parce que je sais que MatMot en a testé pas mal, mais il va peut-être pas tout parier sur tous. Non, pas spécialement. Je peux en parler vite fait pour dire ce qu'il en est. Bah, on va dire, ouais, c'est un bodycam voilà, FPS, donc dans la lignée de ce qui existe déjà, donc un record bodycam. Alors par contre, c'est vrai que bah, visuellement, c'est pas très folichon hein, de ce qu'on en voit. Et également, c'est pas transcendant, on va dire. Je sais pas comment vraiment le résumer. J'ai pas vraiment testé, donc je peux pas vraiment vous donner un avis tranché dessus. Mais c'est vrai que ça a pas l'air d'être transcendant, que ce soit au niveau visuel qu'au niveau du gunplay. Voilà, je sais pas après... En fait, à l'origine, on pensait que visuellement, ça allait être pas mal. Mais finalement, c'est pas fou. Non, non. Parce qu'on croyait que c'était genre rétro, mais avec des effets modernes, un peu justement comme le remaster de System Shock, mais pas du tout, en fait, c'est moderne, mais moche. Ouais, voilà. Parce qu'on a cette espèce de... On a cet effet bodycam, et en plus de ça, comme il a une sorte de il est équipé de scaphandre, donc on a vraiment le fisheye qui est encore plus concentré là-dessus, ben c'est encore... Moi, ça ressort trop, quoi. Et déjà, la démo, elle tourne pas du tout. Alors, on a tourné, j'étais à 20 ou 30 FPS, des gros freezes. Les combats sont vraiment à chier. Et le système de visée, vous voyez, c'est comme si vous tenez votre pistolet devant vous, comme ça, quand vous visez. Il n'y a rien de naturel. Et, là, en fait, ce qu'on voit à la vidéo, le mec n'est pas en train d'épauler pour viser. Enfin, pas épauler, mais de mettre en joue, en fait. Oui, il ne marche pas. Là, il n'est pas en train de mettre en joue, alors qu'on a l'impression qu'il met déjà en joue. Mais en fait, non, il ne met pas encore en joue. Donc non, c'est raté. Ouais, on avait l'impression que ça allait être pas mal, mais en fait non, franchement c'est pas terrible. Je voulais peut-être montrer un ennemi là, mais c'est pas dingue. On va revoir après là. Ah non, ça c'est un robot, mais franchement c'est. Ouais. On était un peu déçus. Franchement, on pensait que ça allait être mieux que ça. Et mais en plus, mais là, ça te zoome sur l'arme encore. Ah, oui. Ouais. C'est attendez, j'essaie de regarder si un ennemi. Ouais, bah là, c'est vrai que tu viens d'en tuer un, mais ça fout un peu mal au cœur, je trouve, quand on tue. Et voyez, il vous court dessus, le truc, là, pour moi, on dirait un House of the Dead, quand vous allez au cinéma, que vous allez jouer à la salle d'arcade, là, et que vous avez l'ennemi qui vous fonce dessus. C'est ça. Et ça fait exactement... Moi, c'est cette sensation-là, quoi. Après, le truc spawn devant nous, que ça ressemble à rien. Je vous dis, c'est dégueulasse. Ouais, c'est raté. Les animations sont horribles. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est dommage. Mais par contre, on va pas s'étendre dessus. Ça fait mal au crâne la façon dont il tire le. Enfin, je sais pas si c'est moi, mais ça, c'est bizarre les mouvements du pistolet, quoi. Ouais. Ok. On passe vite fait à Corpus et Dex. Et je te cache juste une question. Toi, t'as pu faire des démos ou pas? Histoire de savoir. Non.
D'accord. Bah, et tu nous parleras de Echo Point Nova parce que personne n'y a joué. Voilà. Je te laisse préparer pendant qu'on parle de Corpus Edax. Je sais que maintenant tu l'as testé, mais moi aussi j'ai testé. Donc là, c'est un first person melee RPG empreint d'immersive sim. Et alors, c'est développé par un seul mec, c'est très indé, etc. Ça se voit visuellement, c'est pas fou. Mais bon, ça a son charme, ça va quoi. C'est correct, tu peux adhérer au truc. Et donc, ça se base justement sur des combats de mêlée, un gros coup de pied de bâtard qui est sympa. Bon, la démo n'est pas super facile à prendre en main. Je trouvais personnellement que c'était assez difficile, mais je pense que ça doit pouvoir se faire. Voilà. Et bon, l'univers est un peu cryptique et tout ça. Ça a beaucoup de potentiel. Mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu brut de décoffrage. Voilà, globalement, c'est prometteur. Voilà, je sais pas, maintenant, tu voulais dire un truc ouais, en bah particulier une, dé- ou... une démo qui est très très compliquée à prendre en main, c'est qu'on avait essayé de tester beaucoup de jeux en un temps record. Aussi, ouais. Bah, je pense que le jeu, au début, voilà, c'est un jeu, ils ont mis la démo en ligne, on en a parlé encore une fois tout à l'heure, je tout cas disais que là, c'était vraiment peut-être le début du jeu, et tout s'installe, donc c'est pas comme ça qu'on fait tester des démos et qu'on fait ça, aimer ça aux gens. Je pense qu'il faut une démo, il faut jouer, je veux pas dire, pas au milieu du jeu non plus, mais sans rien spoiler, mais au moins où il y a de l'action, où on peut vraiment comprendre pas mal de trucs, là, et pas nous claquer un début de jeu avec un tutoriel qui dure 3 heures et avec des mouvements à faire super soporifiques. Franchement, non, ça c'est chiant. Mais ouais, donc c'est très indé, comme t'as dit, ça fait très, on va dire, immersive sim aussi, parce que tu peux te faufiler un peu partout apparemment, c'est un peu inspiré de je ne sais pas quoi, parce que ouais, moi j'ai pas trop apprécié la démo, mais comme t'as dit, les mécaniques sont vraiment concentrées sur le combat au corps à corps. Ouais. Après, ça va être un jeu qui va plaire à pas trop trop de monde, je pense. Ah, c'est un peu niche, mais je pense que il y a des fans, ça devrait... on enchaîne vite fait avec Destry Lives, on va pas passer beaucoup de temps dessus parce que c'est de la merde. Mais pareil, donc tu as testé ça et j'étais en direct à commenter aussi. Oui. Un beau jeu de merde aussi celui-là. Ouais. Bon, ça va être un jeu de merde. On va pas en parler beaucoup, ouais. C'est avec un peu le duo bon, steak. Bah, avec un duo steak. On steak, passe, donc, hein, globalement. Voilà, il y a un ennemi qui est quasiment invincible. On peut quand même donner un coup de fusil à pompe ou deux. Et puis voilà, enfin, faut fuir, faut se cacher. Mais rien de. Un jeu de cache-cache avec un duo steak. C'est ça. Voilà, les combats sont nuls à chier. C'est. Ouais, non, il n'y a rien de. Ouais. Ok. On passe. Ouais, donc, à toi, Shtuka. On parle d'Echo Point Nova. Ouais, tout que je n'ai pas joué, super. Bah oui, mais écoute, hein, mais tu connais un petit peu quand même le principe. Oui. Oui. Mais alors, ils avaient déjà fait une première démo et à l'époque, on n'avait pas trouvé ça ouf. Moi, j'avais même pas voulu essayer visuellement, ça me donnait pas du tout envie. Et c'est les mecs qui ont fait Severed Steel, qui pour le coup nous avait bien plu, avec un gameplay extrêmement rapide, et des corps destructibles, etc. Donc là, on a toujours un gameplay très rapide et d'action qui est très frénétique. Mais je sais pas pourquoi, ils ont ce délire où en fait on passe d'îlot en îlot avec un grappin en sautant dans les airs pour dégommer des ennemis, il y a de la coopération. Là je veux dire que la nouvelle vidéo ça donne déjà un peu plus envie, parce que c'est plus juste des aplats de couleurs, les textures. Il y a du détail et il y a des environnements qui sont plus travaillés. Donc, c'est déjà plus joli à regarder. Mais le concept du jeu reste le même, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on court de zone en zone, on glisse de zone en zone, en dégommant des bots statiques. Voilà. Donc je sais pas qui ça intéresse. Je suis un peu de l'avis de Stuka. C'est vrai qu'au début, quand j'ai vu Echo Point Nova, enfin comme dit, la première version, ça me parlait pas trop, je comprenais pas où en fait le jeu voulait en venir. C'est vrai que tu avais l'impression que c'était plus un jeu qui était là pour enchaîner des kills en mode, comme tu dis, en mode freestyle. C'est-à-dire, voilà, t'es sur ton overbot, tu avances et tu dégommes à tout va. Mais c'est vrai que peut-être ce qui manque, ce qu'on n'arrive pas à bien comprendre, à cerner, c'est peut-être le contexte du jeu. Parce que c'est vrai que là,
Bah, quand je lis la fiche team, en fait, si j'ai bien compris, on est une sorte de chasseur de primes ou quelque chose comme ça, qui arrive sur une planète et qui, en fait, bah, dégomme tout. Mais c'est vrai que c'est... À part peut-être l'effet là des premières minutes, mais c'est vrai qu'à long terme, si tu fais ça pendant 3-4 heures, tu glisses à fond. Bon, après, il faut voir hein, si les mécaniques vont être améliorées ou non, ou s'il va rajouter d'autres choses. Mais ça semble pas, ouais, ça semble pas spécialement, comment dire, intrigant, attirant. Donc, voilà. Je sais pas vraiment si. Enfin, peut-être qu'il plaira son public, hein, mais à mon avis, contrairement à Severed Steel, je pense que. Il sera peut-être moins de succès. C'est l'impression que ça me donne. Voilà. C'est. À moins que tout d'un coup, je sais pas, il travaille certains aspects du jeu, mais je pense pas. Parce que là, j'ai Même l'impression qu'on visuellement, a. effectivement, c'est pas fou. Hein. Visuellement, c'est pas. Ouais. Sinon, on va vous parler vite fait de Flow. Je sais pas si quelqu'un a testé ou pas Flow. Non. Bon, c'est apparemment inspiré d'Unreal, c'est assez moche, enfin c'est très marron, très très terne. C'est plus moche qu'Unreal, c'est fort quand même. Ouais, le gameplay, bon bah, enfin du coup on n'a pas testé, donc c'est juste la vidéo. Ça n'a pas l'air fou, voilà. Mais bon. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a tellement de rétro FPS et il y en a surtout tellement qui sont bien. Ah ouais, carrément. Ouais, donc voilà, Flo, bah, il est là en tout cas. Sinon, Mulet de Mad Jack, qui a l'air un peu plus intéressant, puisque là au moins c'est assez original. Loulou, je crois que Oui, t'as fait des news pas ouais. mal dessus, peut-être que tu peux nous en Si, parler. si. Alors, j'y ai pu jouer un peu, et moi, franchement, j'ai Ah. très bien aimé. Alors, le Mulet Magic, alors c'est très simple, qu'on dit, on est dans un univers où l'Internet et l'homme ont fusionné, et du coup, le monde est dominé par des IA, en fait, millionnaires. Et vous incarnez, en fait, Mulet Magic, en fait, c'est un modérateur, c'est une personne qui va devoir sauver une influenceuse. C'est très marrant, parce qu'en plus, il s'inspire un peu de certains aspects actuels, donc d'une influenceuse qui a été kidnappée justement par un de ces fameux robots millionnaires. Et l'idée, en fait, c'est que vous allez traverser à très grande vitesse différentes salles en défonçant des portes et à coups de guns, différents robots. Et l'originalité, en fait, du titre réside dans le fait que si vous ne tuez pas les robots pour réobtenir des secondes de vie, vous mourrez. Car en effet, pour pouvoir traverser différentes salles, chaque fois, vous avez à peu près 10 secondes de vie. Si vous n'enchaînez pas les kills au fur et à mesure, vous ne pouvez pas re-remplir cette jauge de 10 secondes de vie. Donc, sans quoi, bien évidemment, ben, vous mourrez, ou sinon, bien évidemment, les dégâts que vous recevez vous font perdre des précieuses secondes. Alors, c'est extrêmement dynamique, c'est super violent, on va dire aussi, sous certains aspects. Ce qui est également très attirant, ben, c'est un peu, on va pas se mentir, l'aspect un peu manga aussi qui joue sur la nostalgie. En tout cas, au niveau du gunplay, c'est très bien. Hein, franchement, il suffit de voir les différents impacts. On voit que c'est très dynamique. On a aussi un aspect un peu roguelike, c'est-à-dire si par exemple vous perdez, malheureusement, vous devez refaire les 10 pièces. En fait, on va appeler ça comme ça des pièces. Sinon, les boss sont sympas. Les ennemis évoluent au fur et à mesure qu'on avance dans les différentes pièces. Et à chaque fois que vous traversez en fait une pièce, une room, vous aurez la possibilité, justement, par rapport à l'aspect roguelite, de choisir, on va dire, des capacités temporaires. Ah oui, Voilà, par d'accord, exemple, ok. voilà. Avoir des points de vie supplémentaires, avoir une nouvelle arme, avoir un power-up spécifique. Et dès que vous finissez un chapitre, voilà, vous vous enchaînez sur un nouveau. Et entre ces deux chapitres, vous pouvez débloquer, on va dire, une compétence permanente. Et à chaque D'accord, fois, bon, bah, ok. l'idée est la même, en fait. Chaque fois que vous allez changer, on va dire, d'univers, je peux dire ça comme ça, de monde. Mais l'idée est la même, c'est que vous devez traverser de plus en plus de pièces. À chaque fois, à la fin, il y a un boss. Et le but, c'est d'arriver au boss final pour pouvoir sauver la fameuse influenceuse qui fait battre votre cœur. Mais c'est vraiment très bien. Franchement, c'est très rapide, c'est sanglant. On se marre bien. À voir, par contre, si à long terme, bon, comme c'est toujours un peu l'aspect roguelite, est-ce que ça sera redondant? Mais vu bah, la façon dont c'est créé, on s'ennuie pas, en fait. C'est ça l'avantage, c'est que tu peux pas, tu dois pas traîner du pied, tu dois absolument avancer, peu importe ce qui se passe, tu dois pas perdre du temps, Ouais. quoi. Donc, moi, je pense que c'est un jeu qui va plaire. Alors, bon, pour le moment, il n'y a toujours pas de date de sortie annoncée. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est annoncé pour 2024. Donc, Ça. peut-être, voilà, après la démo, c'est aussi un peu pour avoir les retours. Hein. Si je pense qu'ils ont de bons retours, d'ici là, peut-être dans 3-4 mois, il faudra pas s'étonner que l'équipe de dev nous dise qu'ils vont nous sortir, enfin, qu'ils vont annoncer la date de sortie de Mulet Magic. Voilà. Mais moi, c'était une très bonne surprise. Voilà. Bon, parmi les jeux qu'on a pu citer avant, malheureusement, qui n'étaient pas Pas spécialement top, très, très, très attrayants.
Celui-là, ouais, par celui-là, contre, par je vous conseille. Voilà, si vous avez encore du temps, okay. Si vous pouvez télécharger la démo, allez-y. Franchement, c'est sympa. Faites-vous, hein, c'est jusqu'à demain, 19h, je crois. Peut-être qu'il y a des mots qui resteront, mais en tout cas, le SimioFest se termine demain, 19h. Alors, il y avait aussi Pacific Drive, qui était très, très attendu. En tout cas, sur Steam, c'est un des jeux qui était le plus attendu. Que tu as pu tester pas ou pas? Ouais, j'ai testé un petit peu. Je tout cas, m'a regardé un petit peu le stream que je faisais en même temps. C'était sur Didi, on était entre nous là. Ouais, c'est. Je m'attendais pas trop à ça. Et, en gros, bah, c'est pareil. Là, le problème, c'est qu'on commence vraiment le début du jeu. Donc, là, ce qui est accessible, c'est l'intro qui fait office de tuto, plus la première mission. Donc, comme on peut le voir, en gros, ça va être un jeu où on va aller on va devoir traverser des zones où il y a des anomalies qui vont nous péter la bagnole, et nous, on va devoir aller faire 2-3 missions, et à chaque fois, on va devoir revenir dans le garage, là, qui fait office de hub, et on va devoir réparer notre voiture, et la réparer, et surtout l'améliorer avec des choses qu'on va devoir ramasser au fur et à mesure des missions. Donc en gros, bah, on va réparer, on va changer les pneus, on va améliorer les portières et compagnie et blablabla. Et puis ensuite, bah, on va aller sur se promener en bagnole. Donc ça va être un jeu de survie assez spécial. J'avais trouvé la démo plutôt sympa, mais j'ai peur que ça soit chiant la longue, en fait. Donc je sais pas, toi, je ce que t'en as pensé en voyant un peu jouer. Ce que je t'avais dit, c'est que je pense que j'aurais aimé faire le jeu sur Steam Deck, mais apparemment sur Steam Deck, ça tourne comme de la merde, donc pas du tout envie. Et aussi, moi, j'aime pas les jeux de survie, parce que tout le côté grind pour collecter des ressources, etc., ça me gonfle un peu. Et avec celui-là, j'avais espéré que ce soit un peu moins accentué là-dessus, et plus sur l'exploration des environnements qui sont quand même très jolis, très réussis. Sauf qu'en fait, de ce que j'ai vu quand t'as joué, c'est un jeu de survie dans tout ce qu'il y a de plus classique, où il faut ramasser X bouts de verre, X bouts de ferraille pour crafter une portière, un pneu ou autre. Et donc, c'est très long, c'est très lent. Ouais, c'est donc, ça. C'est ça. Il y a des gens qui sont clients ce genre de trucs, moi, pas du tout. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est que ouais, pour améliorer, bah, il va falloir aller chercher 3 bouts de verre, il va falloir casser telle voiture, parce que bien sûr, on va devoir s'arrêter, puis aller ramasser, découper avec hein, une sorte de grosse hacheuse, là, des matériaux, justement, des scie à métaux, voilà, c'est ça, des trucs comme ça, et puis, oui, donc là, c'est le système de sac à dos, donc fouiller, bah, voilà, et puis aller récupérer ça, fabriquer ça, ça peut être sympa, après, bah, c'est du solo. Notre personnage ne parle pas, donc là il y a quelqu'un qui nous parle via un système de radio apparemment, et c'est lui qui va, je pense, nous guider au fil de l'aventure, donc à voir. Bon voilà, après faudra pas s'attendre à des combats au tir et compagnie, quoi. Je pense que la seule arme qu'on aura, c'est peut-être un pied de biche ou je ne sais pas quoi. Ils ont après, aucun combat, je pense qu'il y en a aucun. Ouais. On va vraiment éviter les anomalies, et puis bah pas casser la voiture, quoi. Mais après, c'est vrai que la DA, elle a l'air vraiment réussie. Après, ouais, il doit y avoir de bons côtés, ouais, mais je pense que ça sera peut-être un peu chiant sur le long ou court terme, comme disent les naufragés là dans le chat. Ok. Ça sort le 22 février, d'ailleurs. Oui. Et si quelqu'un est motivé, je crois qu'on pourra le tester en version finale. Je vais vous parler de Tribes 3 Rivals, qui est donc le revival de Tribes. Hein. Le dernier épisode, c'était Tribes Ascend. Et là, c'est le même studio, ou en tout cas, c'est les mêmes personnes qui font celui-ci. Que dire de plus que c'est la même chose que l'ancien, avec des petites variations que seuls les experts du forum de Nofrag peuvent déceler, parce que moi franchement j'ai joué un peu à Tribes Ascend et j'ai joué à cette démo, je ne vois pas de différence, mais il y a des mecs qui sont acharnés, ça fait un an qu'ils font l'alpha et tout ça, et ils ont dit si ça n'a rien à voir, quand tu tires t'as X% de plus de dégâts et c'est beaucoup plus facile pour faire des airshots. Donc pour les fans du genre, pourquoi pas.
C'est le but du jeu, c'est quoi? Et j'ai pas dit. C'est que, en gros, tu fais du ski sur les collines pour aller très très vite et choper le drapeau adverse et le ramener dans ta base. Le truc, c'est que les armes sont quasiment toutes à projectiles. Et donc, du coup, si tu dois gérer toutes les trajectoires, trajectoire de ton projectile et trajectoire de l'ennemi qui est en train de filer à travers le ciel avec le drapeau, avec ton drapeau. Et donc, voilà globalement comment ça se passe. Et après, c'est des très bons feelings. Hein. Ouais, c'est assez exigeant, on va dire. Et puis, faut. Ouais, voilà. C'est assez exigeant. Donc, je ne sais pas quoi en dire de plus. Bah non, je bah pense après, que ceux qui sont tour, ouais, à fond voilà. dessus. Ouais. Je pense que voilà. Ça va être un jeu pour ceux qui jouent déjà à Tribes et qui connaissent vraiment cette franchise. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un peu plus beau, mais bon, franchement, c'est pas. Il n'y a rien à afficher, quoi. Donc, voilà. Bonne nuit, Gotax. On te souhaite de bien dormir. Ouais. Et de rêver de moi. Voilà. sinon, on a eu aussi l'occasion. Alors, pas au début, on a fait hein, donc notre news là, avec les démos. Et on n'avait pas vu forcément tout ce qui allait sortir. Et on a. Moi, j'ai pu tester du coup d'autres trucs que j'ai rajouté au fur et à mesure. J'ai testé donc Arcticide, qui est un roguelite dans rétro, mais qui fait vraiment penser à Stalker dans l'ambiance. En gros, on pop sur une carte générée de manière procédurale et on doit en gros la traverser ou atteindre un objectif. Sauf qu'on commence quasiment à poil, on doit donc de quoi se défendre et il y a des genres de soldats qui viennent nous tirer dessus. Voilà, c'est très dur, mais c'est très bien aussi. Voilà, rien de plus à dire que franchement, ça vaut le coup de tester. C'est très très sympa. Voilà, Particide. Et j'ai fait aussi Lonely Space, qui est un System Shock-like, en moins abouti que le remake de System Shock. Moi, j'avais trouvé ça pas mal. Notre nouvelle recrue adultin qui est à fond sur les immersive sims a trouvé ça un peu bof. Donc, peut-être qu'il y a d'autres propositions d'immersive sims qui sont mieux. Mais moi, je trouvais ça assez correct, en tout cas dans la démo. Pareil, pas très facile, mais plutôt sympa. C'est pas moche, mais c'est pas exceptionnel visuellement, mais... Ça se laisse parcourir sans trop de problèmes. Ça marche plutôt pas trop mal. Et puis voilà. C'est quand même le pitch du jeu, tu sais un peu, non? Ouais, en gros, tu es dans un vaisseau, tu te fais réveiller d'une cryostase ou un truc comme ça. Toute ton équipe, en fait, est partie explorer un genre de complexe et ils ont disparu depuis 52 jours. Et donc voilà, tu vas essayer de les retrouver. Mais il y a des grosses bestioles pas gentilles. D'accord. Voilà. Ça, c'était les démos. J'en ai testé d'autres qui étaient moins bien, dont une qui s'appelle Fossil Fuel 2. On n'a pas de vidéo là, mais ouais, c'est un truc avec une DA vraiment hyper moche, genre limite FPS Creator, mais heureusement avec un gameplay un peu mieux. Et voilà, et puis sinon quoi d'autre? Je crois qu'il y a un jeu que je voulais tester, j'ai oublié, c'est Eclipsium, c'est un walking sim esthétique très rétro. Je sais pas si tu peux nous trouver une petite vidéo vite fait, Matmod, parce que c'est vraiment sur la direction artistique que ça, tu peux me répéter que le ça titre, attire. S'il te plaît. Eclipsium avec que des i, Eclipsium. Et. Donc voilà, c'est un jeu d'énigmes plus que Walking Sim d'ailleurs. Mais vu l'aspect, on a l'impression que c'est à moitié horrifique. Et voilà, je pense que si tu mets Eclipsium démo, tu devrais pouvoir trouver un petit gameplay. Bon. Ok. Voilà, c'est une direction artistique avec un parti pris radical, mais justement qui est assez intéressante, je trouve. Après, et même du mec son FMV, non ? Ça fait un peu ça, effectivement. Ça fait un peu en FMV, un peu. Enfin, c'est. J'ai regardé si c'était du 1080 quand même. ouais, non. Ouais. Ouais, effectivement, là, c'est le début. En plus, ça a l'air tout noir.
Mais ouais, non, c'est. Passer un peu. Après, du coup, j'ai pas eu le temps de tester, mais apparemment, c'était dans les attentes de plusieurs personnes. Donc, pourquoi pas. Voilà, c'est en tout cas assez sympa, je trouve, au niveau de la direction artistique. Je sais pas si vous aviez d'autres démos, vous, que vous aviez vues, peut-être? Alors, moi j'attendais une démo, mais finalement la bande-annonce de Steam Next Fest était un peu trompeuse. C'était qu'ils nous avaient montré Phantom Fury. Je voulais tester la C'est nouvelle vrai? démo, et bon, ouais, mais il s'avère que les devs en fait ont fait un petit billet de blog parce que tout le monde leur était tombé dessus. Leur a dit non, mais en fait ils se sont gourés, on a pas de démo. C'est ça, moi par contre, je l'avais attendu cette démo là, mais manque de bol, Ah mince, d'accord. elle n'y Effectivement, était pas. Ouais, pour se faire une ouais. idée, Ok. parce que c'est vrai que la première démo de l'année dernière n'était pas très folichon non plus, ça manquait un peu de gameplay, c'est vrai que les gens avaient dit que c'était un peu mou, quoi. Et c'est dommage, parce que D'accord, c'est vrai très bien. qu'ils avaient mis un shotgun avec trois canons, et semblerait-il que tu avais l'impression de tirer des billes, quoi. C'était pas spécialement trois cartouches que tu tirais, quoi. Ouais, surprise. Alors, non, sinon, j'ai pas spécialement de démo particulière. Sinon, tu nous en avais parlé, forcément. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas si dans le chat il y a des gens qui ont testé d'autres trucs qu'on n'a pas vu, mais j'ai l'impression que non. Et puis Non, ouais, non, écoute, c'est parti se mais coucher. j'ai pas Là, je pense qu'il y en a trouvé, qui dorment j'ai déjà, hein, pas c'est pas trouvé possible. ce Steam Next Fest. J'ai pas trouvé que c'était un bon cru en fait, ce début d'année en termes de démo. Je sais pas, je sais pas, on devient con, on devient vieux, on a des goûts qui Des vieux se, je cons. sais pas, mais C'est trop nos prix, exigeant. hein. Mais ouais, ce Neo Fest, je sais pas, je pense qu'en termes de FPS là, il n'y a pas eu de gros waouh en fait. Voilà. Il n'y Ouais, avait plus non, grand-chose. ouais. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ben, y a pas goût, je crois aussi. Il y a eu pas mal de gens dans les commentaires, justement, de l'article des démos de Steam Next Fest qui avaient souligné ça, justement, que. Bah, bof, il n'y avait pas spécialement, comme tu dis, un effet waouh ou un qui se démarquait plus que les autres. Donc, après, c'est vrai que bon, y a son lot de rétro FPS, mais à un moment donné aussi, bon, on sature un peu. Et après, maintenant, le rétro FPS est devenu un argument trop bancal, quoi. Beaucoup de gens maintenant s'amusent à sortir leur rétro FPS pour tirer leur épingle du jeu, mais finalement, ça n'apporte aucune plus-value, aucune mécanique nouvelle. Donc, peut-être pour ça aussi, hein. Ouais, Okay. parce que je regarde un petit peu, c'est ça, oui. Dis-moi, le seul truc qui m'a hype vraiment, c'est Abiotic Factor, quoi. On va pas s'étendre plus que ça, hein. De toute façon, y a pas eu plus. Je vous propose de passer rapidement aux jeux qui sont à venir. Donc pour ce mois de février, on a donc Pacific Drive dont on vient de parler, qui sortira le 22 février. On aura enfin la version finale, donc il sort d'accès anticipé, c'est Wrath, End of Rune, Rune, je sais pas, le 27 février. Espérons enfin que ce soit un bon jeu. De l'éditeur 3D Realms qui n'a fait que des merdes depuis quelques temps là, puisque pour rappel ils ont sorti Graven et ils ont sorti l'accès anticipé de Rip Out et aussi ils ont sorti Kingpin et il me semble que c'est bien eux hein, ouais donc Ah oui, c'est eux, oui, waouh effectivement. gratiné hein, gratiné Ouais. donc voilà Repose en prions pour pièces. voir et le lendemain on a la sortie normalement puisqu'on n'a eu vraiment aucune communication depuis bien longtemps, donc de Star Wars Dark Forces Remaster par Nightdive. Alors le truc c'est que visuellement en fait j'ai l'impression que c'est juste un remaster HD on va dire, mais sans beaucoup de retravail visuel au niveau gameplay je crois pas qu'il y ait grand chose non plus ça va être ressortir compatible avec les PC d'actuel, etc., comme fait d'habitude Nightdive. Sauf que pour Star Wars Dark Forces, il y a déjà un mode qui s'appelle The Force Engine, dont on avait parlé, et qui permettait déjà de faire tourner Dark Forces en 4K, avec une gestion de la souris parfaite, etc. Donc j'ai du mal à voir en fait ce qu'ils vont pouvoir proposer de mieux que ce mode-là.
qui était déjà, à mon avis, très très bien. Donc voilà, on verra ça le 28. Ouais, je suis d'accord, c'est peut-être juste ça, mais ça se trouve, du coup, est-ce que ce sera aussi bien que le mode? Je ne sais pas, donc on verra bien. Voilà. Et puis, je crois qu'on a déjà... on arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin de Sonoscope, messieurs. Ouais. Eh bien, je vais vous demander à quoi vous jouez. À quoi as-tu joué, Loulou, ces dernières semaines? Alors, moi, ces derniers temps, je me suis essayé à Beyond Sunset, qui est en Early Access. Pareil, c'est un rétro FPS où j'ai des... j'ai des Doom. Doom. Ouais. Et je suis un peu partagé sur le jeu. Alors, comme j'ai dit, c'est peut-être encore une version antérieure. Là, ils ont sorti une micro mise à jour pour dire que, justement, ils préparent l'arrivée d'une plus grosse mise à jour. Un peu déçu par rapport à ce qui est présenté, ce qui a été, on va dire, promis. Par exemple, je trouve qu'il y a un sacré déséquilibre dans les boss. Le premier boss du premier niveau, faut avoir un sacré doigté pour chaque fois faire des esquives. Et autant le deuxième boss du chapitre 2, si je dis pas de bêtises, je l'ai littéralement détruit en... Voilà, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, cette différence de le premier boss, c'est celui qui est dans une arène toute ronde, là. Qui est un peu dans un jardin japonais, et en fait qui a une armure. Ah, j'ai pas réussi, j'ai pas compris. En fait, j'ai réussi. C'est vrai qu'au début c'est compliqué. Alors j'ai compris à un moment donné comment il fallait le battre. Après, comme j'ai dit, j'ai enchaîné tous les chapitres. En fait, j'ai terminé l'Early Access à ce jour, et c'est pour ça que je suis un peu déçu. C'est vrai que le chapitre 3, beaucoup de gens étaient pas mal déçus parce que ça se résumait à avoir des vagues d'ennemis. C'est vrai qu'à un moment donné, ça donnait un peu saoul. Ouais. C'est un petit peu saoulant. Au niveau des armes. Oui, ouais. Mais ce que je disais, c'est qu'au niveau du gunplay, c'était pas mal quand même. T'as des bonnes sensations et tout ça. Si, quand même, ça, oui. Ouais, ouais. Après, ce qui est marrant, c'est que c'est une grosse supposition, je mets entre guillemets ce que je dis. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas la même version du jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois, par exemple, alors je sais pas si c'est parce que c'était une démo ou pas, mais. Il y a des éléments qu'on n'arrive pas à débloquer par rapport à d'autres personnes. Par exemple, j'ai comparé un streamer, on va dire, pas vraiment un streamer, un joueur de rétro FPS qui s'appelle PageB666. Et en fait, dans sa version, il arrive à débloquer des éléments ou ouvrir des portes que nous, on n'arrive pas à faire dans le chapitre 1. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est bizarre, quelle version du jeu il a, quoi. Tandis que nous, au même endroit, quand j'ai voulu faire certaines choses, j'arrivais pas. Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans les commentaires, justement, Steam, il y a des gens qui ont fait remarquer en disant, ouais, c'est bizarre. Il y a des choses que nous, on n'arrive pas par rapport aux autres à débloquer. Alors, je sais pas, je sais que comme ils ont une page Patreon, je sais pas si ceux qui peut-être financent via Patreon ont une version plus évoluée que la nôtre, ce qui est fort probable. Hein, ça m'étonnerait pas. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Okay. J'ai remarqué différents types de walkthrough. Il y a beaucoup de gens qui disaient, mais comment ça se fait que toi, tu arrives à faire ça? Moi, j'y arrive pas, en fait. Et c'est là que je me suis dit, à mon avis, il y a deux versions qui doivent traîner, façon de parler, hein, c'est pas péjoratif, hein, mais on doit pas avoir la même version, tout le monde. Voilà. Ok, d'accord. Et le second jeu auquel je joue, alors, c'est pas vraiment un FPS, c'est plutôt un side-scrolling, ça s'appelle Valvaris. Alors il y avait le premier du nom qui était pas mal, alors, et là en fait je joue au second épisode qui s'appelle Valvaris Mech Etherion. C'est pas mal, c'est un petit jeu sympa, comme je dis, side-scrolling dans un mecha avec un univers métal derrière, donc c'est marrant, ça fait passer le temps. Voilà. Entre deux FPS, quoi. Voilà, entre deux FPS. Mais je suis un peu déçu. Okay. Après, comme j'ai dit, peut-être qu'au fur et à mesure, quand ils vont peut-être patcher, ça sera un peu mieux. Il y a quand même une bonne base, mais il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a des choses qui sont un peu... Ok. Voilà. Ok. Et toi, Shuka, à quoi tu jouais ces dernières semaines? J'ai joué à GTFO avec toi et ma pote. Effectivement. Sympathique, on adore en prendre plein la gueule. Effectivement, ouais. Ça fait toujours des soirées aussi longues. Et... Ouais. Comme il y a les tournois e-sport qui ont repris sur CS2, j'ai rejoué à CS2. Et je suis désolé, hein, mais c'est le meilleur FPS de tous les temps. C'est tout. Voilà. Et toi, okay. À quoi tu jouais? Moi, j'ai joué avec toi. Alors, c'est pas grave, on va finir par Matmot après. Moi, j'ai joué à CS2 aussi un petit peu, avec Matmot Shuka. C'est vrai que c'est... Moi, j'ai jamais réellement joué, on va dire, à Counter-Strike, à part peut-être une soirée ou deux, par-ci, par-là. Là, je me suis mis un petit peu plus avec vous, au final. Je me suis un peu plus concentré sur le truc. C'est
C'est vrai que c'est sympa, t'as des bonnes vibes quand tu joues en compétitif uniquement, évidemment, sinon c'est vraiment de la merde. Et puis, même quand on se fait défoncer, enfin, on se fait rarement défoncer, d'ailleurs, c'est souvent, soit on perd, mais c'est pas non plus catastrophique. Et franchement, c'est assez intéressant, effectivement, tout l'aspect un peu technique et tout ça. Voilà, et puis sinon, bon, on a joué un peu à Ready or Not, je trouve que tu as oublié aussi, on a joué tous les deux à Ready or Not. On a joué à Let Loose, donc. Et puis, j'ai marqué quoi d'autre? J'étais faux. Et puis, je crois que c'est tout, hein. Sinon, les démos et tout ça, quoi. Et toi, Matmoit, je sais que tu as joué à Palworld. T'as oublié Palworld, Estia. T'as joué à Palworld. Ah oui, forcément. non. Alors, c'est bien Palworld. Et non, on n'a pas le temps pour ça. Et non, on n'a pas le. Pas le non. Je sais pas. Ouais. J'en sais rien. Et donc, toi, Matmoit, t'as fait quoi, toi? Alors, moi, j'ai joué à Biotic Factor, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Cette petite démo fort sympathique. Ensuite, bah, bien sûr, avec vous, on a fait du GTFO. Toujours aussi bon, hein, de se faire défoncer et puis de refaire une run, de souffler et puis de kiffer quand même parce que c'est trop bien. J'ai fait ça. J'ai joué. J'ai fait du CS2. Parce que même si c'est pas le meilleur FPS compétitif, il est très 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 bon. C'est vrai qu'on a fait aussi un Rainbow Six. Je banne Shtuka, mais moi aussi je suis pas un gros joueur de Rainbow Six. Et franchement, c'est vraiment dès qu'on a un peu de temps ou dès qu'on a envie de tryhard, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de jouer avec des gens qui connaissent un peu, hein, comme Shtuka. Et moi j'ai vraiment. J'apprécie le titre et ouais, là il y a deux jours je vous ai envoyé un petit message ou 3-4 jours, j'ai dit putain les gars, j'ai réinstallé Rainbow Six Siege et waouh, et putain c'est ouf, je sais pas comment dire, mais on a tellement perdu le truc, quoi. C'est vrai que j'avais passé des heures et des heures dessus, et là ils ont changé toutes les métas, ils ont changé pas mal de les choses, les maps ont changé, franchement ouais, on s'est fait ouvrir, mais donc ouais, donc je vais plus rester sur un GTFO ou CS2, mais pourquoi pas, ouais, avec le. Pour faire un peu de Rainbow Six, c'est toujours aussi drôle, mais je pense que dans 2-3 semaines, il sera désinstallé, comme à chaque fois. Ok. Voilà qui clôture notre 50e Noscope. Ah oui, c'était le numéro 50. On espère que vous avez apprécié notre petite émission. Je vous rappelle que Nofrag est un journal indépendant avec des bénévoles qui s'occupent d'écrire des petites news et de faire des tests. Donc on compte sur vous pour nous supporter pour notre travail. Donc on a un Patreon, on a un PayPal, on a aussi notre Twitch, vous pouvez faire des subs, voilà. On a aussi un Spreadshirt pour acheter des t-shirts et des suites et même des mugs, peut-être des layettes, je ne sais plus. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est très content quand vous interagissez avec nous, que ce soit dans le chat du Twitch, mais aussi discuter avec nous sur Discord ou en commentaire des news. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On se dit... dans 2 semaines, peut-être, ou peut-être 3 semaines, on verra. Là, il y a les vacances, il y a tout ça. Donc, bientôt, quoi. Il y a Loulou qui doit nettoyer sa voiture, il y a trop de moustiques, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ouais, ça peut prendre du temps. Voilà, donc on vous souhaite tous une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Allez, salut les gars. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao. Salut, bonne soirée.
this could happen, but the administrator just would not listen. A fellow scientist, do you think we should appeal to the alien authority? I'm seeing predictable phase of aid. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Quick! It's about to go critical. Critical.